Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous quotidien AltisLifeFrance.com. L'agent Dédé, le colonel Dédé, mais l'agent Dédé pour les civils et les rebelles et les bandits de cette île. À fond pour ce dimanche, à fond pour une journée de plus dans la police avec ses facilités, mais aussi ses difficultés. Alors attendez, hop, un petit coup de lumière, parce que il fait un peu sombre. Donc, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? J'en sais rien. La police est partie dans un lieu très calme, dans une ambiance plus sereine, plus posée et plus RP, comme je voulais. Le plus beau. Merci, mon petit Adrien. Merci de ton abonnement, mon petit Adrien. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, tiens, j'en profite que tu sois là. Merci pour ton sub. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et du coup, t'as ton petit diamant et tu fais partie de la team Lapinou. Apparemment, j'ai vu ça sur Discord. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci aussi aux derniers followers de cet après-midi. 399, les gars, on atteint la barre des 400. Merci à vous tous de votre confiance, de votre fidélité et surtout de votre présence, car tous les jours vous faites vibrer le chat, tous les jours vous faites vibrer le stream, et ça, ça fait super plaisir, parce que les acteurs numéro 1 de cette chaîne, c'est vous. Oh, c'est beau ça. Bon, j'oublie pas mes amis belges, j'oublie pas les Suisses, et j'oublie pas les Québécois, la communauté francophone, merci à vous, que vous revoyez les vidéos en review sur YouTube ou pas, ça fait super plaisir, surtout vos coms. N'oubliez pas, dans ce cas-là, de nous rejoindre sur Discord pour les jeux intracommunautaires, mais aussi sur YouTube, pour voir les gameplays sur LOL, voir la League of Noob, dont j'en fais partie, Noob Power. Mais bon, j'apprends à jouer, c'est normal, c'est comme ça. Bon, voilà, la police fonctionne bien, on est plus dans l'ambiance RP. Moi, en tant que staff du serveur, bah, j'essaye de mettre du RP en place, avec les rebelles, les bandits, enfin tout ça, chacun son rôle, mais essentiellement les rebelles. Et ça marche plutôt bien, je suis plutôt satisfait du travail que chaque famille fait sur le serveur. Merci beaucoup pour ceux qui sont sur le live, merci de partir dans le sens que je vous ai donné, de suivre cette direction. Merci beaucoup. Bon allez, sur ce, j'ai remercié tout le monde, les subs, merci à vous, les donateurs c'est fait, les followers c'est fait, les rebelles c'est fait, moi c'est fait. Merci à mes modos aussi d'être présent aussi et de m'aider de faire le tri sur le chat. Ça fait super plaisir. Bon allez, place au live. Faites-vous plaisir, marrez-vous. J'espère que je vous ferai marrer. Et faites-moi vibrer ce chat comme tous les soirs. Merci à tous. Allez, bon live. Ça marche pas. Bien respect, colonel. Non, voilà, pardon. Bon, bonjour à tous. Bon. Bien respect, colonel. Bonjour. Bonjour, colonel. Bon, maintenant, ça tombe bien que vous soyez là. J'ai monté un de vos hommes adjudant pour un souci d'équilibre dans les patrouilles. Ouais. D'accord. Donc, vu quand vous étiez absent, là, vous étiez parti avec vos copines un petit peu sur une île déserte en train de faire je sais pas quoi, là. Du coup, j'ai pris cette initiative-là, non pas pour vous être vous dépasser, mais pour organiser un petit peu, étant donné que vous êtes l'escouade la plus nombreuse à chaque patrouille, d'accord? Donnez que je vais voir c'est quoi le camion. Voilà, c'est tout. Bon, bonne patrouille, bon courage, et faites tout pour que je vous vire pas. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs, mon colonel, quand même. Quoi? Dans les rangs, toi, qui tu as? Redfield, t'as cru que t'étais au cirque ou quoi, là? Pourquoi? Bah, je sais pas, tu sors des rangs et tout, non? Ah non, justement, je voulais vous parler. Ah bah vas-y, parle. Faut retirer la licence à Nick Nick, ça a toujours pas été fait. Quelle licence? La licence médecin de combat. Bah si, je l'ai fait. Bah je sais pas, il me dit qu'il l'a encore. Oh putain. Bon. Moi, sinon je peux le faire ça. Bon courage. East, t'es référent, t'es dans l'escouade Bravo toi, East. Ta gueule. Reste mon combat préféré. Colonel, saute, mène-toi le cul et saute, putain. Saute, putain. Vini, saute. Alpha. Mais mon adjudant. Ah ça va bien. Ça remonte tout encore. Bah je suppose, écoute. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas saluer avec ta main là? C'est super. Ah mais SP. Ouais. C'est ça. T'es en train de me dire que tu m'as salué comme ça en fait. Bah ouais. Non, c'est parce qu'il a l'habitude de saluer Sierra. Putain. En général, vous avez vu comme moi non? Mais non, mais c'est parce que vu que voilà. Wesh, ouais, poteau, ça va ou quoi? Mais respect, moi. Il y a Whisky qui fait que dire. Salut, ok. Quoi, voilà, c'est pour ça, du coup, bah moi je dis bonjour. Ouais, c'est bien. T'as de la chance. Un peu plus, je te viens. Quand vous êtes pris contre le mur
Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qui est dans cette bagnole là? Sors de cette bagnole là. Je suis désolé mon colonel, j'ai eu un problème de cerveau, attends, je descends, hop. Putain, t'es qui toi? C'est Scott, j'ai eu un problème de cerveau. Putain, vous dépassé, Scott, freiner, appelle, bah, t'as le droit de le sauver ouais, maintenant, désolé. Allez, fonce, fonce, fonce. Ouais. Viens devant le garage, casque. Putain, il m'a défoncé en fait. Yuga, tu m'en sors? Et t'en as sur toi? Je suis pas sûr, mais véhicules sont mes derniers aussi. Hein. Scott, Allah, un pépette, mais qu'est-ce que tu racontes? Hein, t'as fumé quoi encore? Ça prend pas mal de place, mais ça peut être inutile. C'est normal qu'il y a plein d'objets par terre encore, radio, téléphone, tenue, armes, chargeur. C'est pas quelque chose que j'ai dit justement jeudi. Bah apparemment ça ils ont pas écouté hein. Bah tu me l'as trouvé, tu me l'as sanctionnes. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour ça? Qui c'est qui a laissé traîner encore des objets par terre? C'est pas moi, pour aller voir. T'as qui? C'est jamais personne. Jamais personne. Comment tu sais que c'est Boris quoi? C'est qui a des problèmes? Va voir Martin. Ah mais gros, mais faut faire un truc. Toujours toi qui a des problèmes. Va voir Martin. T'es toujours la même tenue. Coucou Bibi. C'est ma faute. Ah. Coucou Bibi. Putain. Ouais t'es un joli. Dédé de Dimurs. On se met. T'es au courant pour l'assassinat du patron de DC? Hein? Viens voir au doc Hyper. Il est où? Vous êtes où, général? Strider Doc, là, à côté du quai. Vois ça avec la recrue, c'est lui qui m'a dit ça. Tu racontes Ouais, hier soir, okay. Vers minuit, on a eu une intervention à la DC. Et apparemment, la secte, moi j'ai pris la plaque du L4 qui était sur place. Et c'était la secte qui avait tué le patron de la DC. D'accord. Bon, bah, ça tombe bien parce que j'ai chopé la secte ce matin. Et je les ai envoyés dans un train. Ok. Bon bah voilà. Ils avaient tué la DC. Ils voulaient en fait. Ils regardaient si la DC allait faire un convoi. Et en fait, la DC faisait des coups comme ça pour lui dire un an qu'il n'y avait pas de convoi. Ils ont apparemment engagé le feu et bah, ils ont tué le patron. Apparemment, ils l'ont chopé, ils l'ont tué. D'accord. Ah, bon bah voilà, c'était pour te dire ça. Eh bah écoute, je suis content. C'est quoi ton nom toi? C'est Collins. Non, mais je m'en fous en fait. Allez, casse-toi. Allez, mon patrouille. Bon, bah voilà, du coup, quoi. Pour le coup, on est deux en fait. Bah, c'est déjà pas mal. Et mieux que rien. T'es la voiture? Ouais, j'ai... Ah, j'ai... Du coup, on va attendre les autres, on va sortir une voiture. Hop. Alors, si tu veux mon avis, y'a que Bibi qui arrive. Y'a quoi? Y'a que Bibi qui arrive. C'est qui Bibi? C'est des problèmes. C'est qui Bibi? C'est qui Bibi? C'est Boris. Ah, Boris. Ah ouais, ça tombe bien. Oh, t'es une armurerie là-dedans. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il est con. Mais les cons! Mais putain, mais t'es con toi! Putain, ma bagnole! J'ai plus ça. Putain, mais pétard, mais bagnole et tout. Putain, je vais te... Va, putain, remonte, je vais te défoncer. Remonte, je vais te défoncer. Putain. Je vais te défoncer, putain.
Mais qui les con? Putain, ma bagnole. Mes armes. Je vais te défoncer, Nick. Putain, c'est pas possible. Mais il est vraiment con, lui. Albert Sino pour Yuga, tu me reçois? Je vais le défoncer, Nick. Je vais te défoncer. Wesh, banane. Comment ça va? Est-ce que quelqu'un vous reçoit à la paire, s'il vous plaît? Oui, transmettez. On peut vite appeler les pompiers à l'hôpital de Kevala. J'ai le général qui est à terre, s'il vous plaît, et ils sont trop présents pour que je puisse... Eh ben, tu les appelles. T'envoies un message. T'as un téléphone. Affirmatif, il est comment écoutez les gars? Bah moi je suis en plein milieu de l'eau parce que j'ai un flic qui m'a foutu dans l'eau avec sa bagnole. Passez jusqu'à Canal 3 les cons. Salut tout le monde, ça va et toi? Comment vous allez sur le chat? Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Putain, ma bagnole, mes armes. Putain, je suis obligé de rééquiper toute ma bagnole, quoi. Mais putain, mais qui sont cons, hein? Eh bah, y'a pas de... Par contre, j'ai oublié le nom, mais en général, quoi? Ah bah, y'a là. C'est parce qu'il y a un humain qui veut vous parler. Qui ça? Oui, on comprend pas. Eh bah, colonel, vous dites... Ouais. Tu m'autorises à passer du Maz-Major? Lui qui fait quand même du bon boulot, que ça fait longtemps qu'il a du en chef. Mais t'es lead, mec. Bah voilà, c'est bon pour toi. Le lead il a pas fait le dispatch, il a pas bon. Par contre, voilà que le général pour le... Bah, déjà, tu vois avec le général pour le passer aujourd'hui parce qu'il m'a déjà mis une secouée par rapport à l'adjudant. Moi, j'ai dit, bah c'est normal parce que ça s'organise comme ça. Ouais. C'est l'organisation, on appelle ça, c'est pas grave. Il Mike. Il devait passer jeudi en fait, c'est pour ça, du moins. Bah voilà, bah tu vois ça avec lui et si c'est bon, tu m'envoies un petit message téléphonique et je te le fais. Ok, ça marche. Et okay. Là, comme tu l'as, t'as, il y a CPR, quelque chose à te signaler sur une recrue. Une recrue, je sais plus ce nom, Bellucci, c'est Juan. Quoi le nom? Réfeli, Juan. Lui qui le signale, ouais. Que son lit est pas. Du coup, il a injuré Follet par rapport à comment il s'est posé, c'est ça. De quoi? Il a sorti à Follet, vu que Follet a eu du mal à se poser à cause de problèmes de tête, comme quoi, comment ça se fait qu'il entre dans le CPA et que c'est en pilotage. D'accord. Exactement. Bah, vous le sanctionnez, les gars? C'est dans quelle unité? Il est dans la mienne. Et bah, tu le sanctionnes? Bah voilà, bah, tu le pousses. Bah tu te vires ou tu mets tu le pousses, bah pas le virer pour ça. Tu vires pas un mec parce qu'il parle mal. Tu pousses son... Attends. Je sais pas moi, tu pousses son truc, à moins qu'il a fait d'autres conneries. Il a fait d'autres conneries ou pas? Et demander Lynx. Parce que dans ce cas-là, je vire Odor ici parce qu'il troll avec la matraque. C'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire les gars? Attends. Juste... Tac tac tac. Est-ce que tu te rappelles ce que tu dis quand... Alors toi, t'as 5 secondes pour sortir une bagnole et tout l'équipement qu'il y avait dedans. Mène-toi le cul toi. Voilà, je t'ai envoyé quelque chose sur ton téléphone. Tu regardes ouais. Ça à l'occasion et tu comprendras pourquoi j'étais pas trop content quand tu m'as annoncé ça tout à l'heure. Ouais, il y a une semaine. Ok, tu regardes ça quand t'as le temps et rien qui presse, de toute façon c'est passé. Voilà. Ok. Pourquoi moi je pense que je ne peux pas être objectif avec cette personne là. Mais je le sais, je suis au courant. Bon, mais voilà, nickel. C'est pour ça que j'ai envoyé ces bières. Est-ce que t'as réfléchi à savoir si c'était pas un test aussi? Oh non, mais arrête. Et ouais, les gars. Mais non, mais il est comme ça, tu veux que je t'en mode donne des vidéos? Bah, il teste souvent alors. Hein. Non, là, mais je te parle de moi là. De toi? Ouais. Oh non. Bon, tu passes sous lieutenant. Oh merde. Bah, quoi? Allez, on s'en va. Bellotti, toi qui conduis. Non mais y'a un problème. Dédé. Ta gueule. Ah. Dédé. T'étais là cet après-midi? Ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était sur quoi? Je sais pas, il s'est passé un truc, non? Avec la secte, je crois. Ouais. Ouais. Ça marche. Un navire? Ah, moi non. Moi non. Ok. Ah! Oh! I! T'as pris quoi, Nick? Allez, canal 6, les gars. T'as pris quoi, Nick, là?
en armement. Il y avait deux M200, je te remets. Il y avait quelques armes automatiques. Non mais c'est bon, t'as pris combien d'M200 là? Là y'en a qu'un seul. Ok, je parlais, t'as des chargeurs? Ah si, LRPS et tout, c'est bon. Okay. C'est mon M200 ou c'est le tien? C'est le tien, là je vais en prendre un autre. C'est le mien, les kakis hein. Oui, c'est ouais, le ouais, 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 ouais. Putain, prends la bite. Bon, je vais prendre une arme. Prends une arme. Ok, on me perdra un jour. T'en penses quoi? Hein? C'est le Raptor, comment ça va? Bienvenue. Tiens, dis donc, ça fait un moment qu'on t'a pas vu encore. Comment il va, mon petit Lunatic Raptor? Bonjour, Monster. Bienvenue aussi. Merci de votre présence, les gars. Ça fait super plaisir. Hein, ça fait plaisir, Dignic, qu'ils soient tous là. Ouais! Salut, les gars! Voilà! Nick! Christian, comment tu me parles, toi? Hey, yo! Tu parles comment, toi? Oh! Attendez, j'ai un petit souci. Quoi? Attendez, quoi? C'est... Putain, tu me pointes avec ton arme en plus? Putain, tu me pointes avec ton arme en plus? Je suis désolé, mon collègue. T'es myope? T'as des problèmes de vision? Oh mon colonel, je suis désolé. Ah, pourquoi t'as des lunettes? Des lunettes de soleil pour le soleil, mon colonel. Ouais, c'est parce que... C'est... Non, tu portes des lunettes parce que ma beauté t'éblouit. Répète. Ah si, oui, je porte des lunettes parce que votre beauté m'éblouit trop. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Exactement. Pardon? Bien. Ça va, mon général? Vous allez CPA, mon général? Bah ouais, hein. Ouais. Ok, bon allez on se casse, maintenant que tu l'as rempli la bagnole. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Nick, Nick, sors de la voiture. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Tiens, on va mettre ça sur ton compte en banque. Pas te faire payer les armes que tu m'as foutu dans l'eau. Tu es gentil comme colonel, hein, trop fort. Parce qu'il y a des armes qui sont dans l'eau. Ouais. Bon, cet après-midi, vous êtes parti en convalescence ou pas? Ouais, d'essence. En convalescence. Convalescence? Ouais. Non, par rapport à ce qui s'est passé avec la secte. Bah, moi j'ai fait mon boulot. C'est-à-dire. Apparemment, il y a eu un problème. Oui, bah c'est pour ça que je pose ça en fait. Ouais, Artyom il a tiré par terre. Du coup, il a fait avertir aux deux. Oui, il a fait une somme. Hein. Ouais. Voilà, ok. Ça, je veux plus le voir, les gars. Le prochain qui me fait ça, il vire de Sierra. Hein. Il retourne dans Viper ou dans Cobra. Ou je l'invite à aller à la DC. Ok? Ah ouais. Okay. Les gars, si je vous prends dans Sierra, c'est parce que je pense que vous êtes au-dessus des autres en fait, au niveau professionnel. D'accord. Si vous me prouvez que vous êtes des merdes, bah, je vous remets à votre niveau en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah oui. Ah ouais, oui. Voilà, donc c'est pas moi le lead, c'est Sivers. Hein. Pour info. Ah. Bah, du coup, t'es superviseur toi? Oui, je supervise la police moi, avec le général. Oh, okay. Ok. Ok, ok. Okay. On fait comme ça. Donc c'est Stevers, votre patron, c'est pas moi. Le général, il s'est trompé. Ok, ok. Vas-y. Ah voilà, les filles, quoi. Sinon, vous venez plus aux soirées? Comment ça se fait? Mou, hein. Vous avez vos chapeaux? Ouais. Ouais, c'est parti. Bonjour. N'oubliez pas qu'on est des gens anti-civils. J'ai posé... Oui, toi, oui, je sais, justement, j'ai signé un bail pour une maison. Oh la vache! Putain, le petit raptor, ça y est! Il va habiter dans une petite maison. Salut! Delta, comment tu vas? Chut, Delta, chut, Delta, chut. Delta, chut, Delta, chut, Delta, chut. Comment ça va? Vous allez tous bien? Hein?
Ah, il y a Seth aussi. Salut Seth. Ah oui, parce qu'après Mike il va faire la gueule. Salut mon petit Seth, comment il va mon petit Seth? Quoi de neuf? Comment il va mon CPA? Salut Exantial. Salut mon petit Dylan, comment ça va? Si, c'est Mike. Ça va, ça va. Moi ça va tranquille, voyez. Ça va tranquille. Je joue sur LF, je suis avec mes copines. Tout va bien. Salut. Ça va nickel. J'ai le ventre bien tendu. Merci petit Jésus. Voilà. Je me suis connecté pas du tout aujourd'hui sur TS. J'ai fait une pause staff cet après-midi. J'ai joué à LOL. Vous avez pu le voir, j'ai streamé un petit peu LOL. Mes super actions de la mort qui tue. Qui servent à rien. Je suis de retour ce soir ou demain matin. Ah bah nickel, pas de soucis, t'inquiète. Faites-moi vibrer ce chat comme vous savez si bien le faire. Entendez le jeu? Est-ce que le son du jeu vous convient? Est-ce que ma voix est trop forte par rapport au jeu? Je sais pas. Dédé colonel déjà? Eh ouais, ça y est, mon petit rappeur, je suis colonel. Effectivement. Je suis numéro 2 de la police. Jackson m'a fait passer colonel. Tout est bon, nickel. Bon bah, si ça vous va, c'est l'essentiel. Bon, les 38 abonnés quand même aujourd'hui, hein. Ça y est. Hein. On va bientôt débloquer le badge du 50e abonné. On est bientôt 400 followers. Il ne nous en manque plus qu'un pour toucher la barre des 400. Une belle petite communauté. Nickel, ça me va, ça vous va, ça me va. Wow, ça va vite. Et dire que j'ai un forfait été, je serais peut-être été. Ouais, c'est clair. A new follower. Ah bah voilà, merci mon petit store, bienvenue à toi, merci d'avoir le follow et félicitations au 400e follower de la chaîne. Merci à toi et bienvenue, je t'invite à nous rejoindre sur Discord et également sur YouTube pour voir les lives que tu aimerais revoir ou que tu as raté. Et bienvenue à toi store, bienvenue, merci, merci de ton follow. Ça y est, la barre des 400 est atteinte les enfants. Nous grandissons chaque jour vers une belle histoire entre vous et moi. Et avec ma modératrice préférée, Blob77, qui est en train de manger un gâteau sous le canapé. Qui me regarde à travers ses lunettes et elle me dit tu vois la glace que je mange? Non, je déconne, c'est pas vrai. Vous parlez pas beaucoup dans la voiture. Bon, ça se fait. Pour une fois que les unités sortent de BK, ils sont arrivés en même temps que nous à Negadest. Ils nous suivent. C'est beau. Oula. Oh. Oh. C'est intéressant ça. Ou pas, laisse-le. Oh. Intéressant tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Client. Salut Taiko. Merci oui. D'être présent. Comment tu vas? Pas où est le problème là? Il est où le problème là? Il était garé sous le bas côté, il était peut-être en train de téléphoner ou souhaiter la bonne fête maman à sa mère. N'oublie pas que c'est la fête des mères aujourd'hui. T'inquiète pas pour ça. Oh, t'en fais pas. Oui, qu'est-ce que vous en savez? Ça va, nickel. Ça va, tranquillou. Comme tu peux le voir, nous sommes 38 abonnés, 400 followers. Bonne petite communauté. Que demande le peuple. On est... Vous commencez à être super actifs sur le Discord aussi, sur les jeux, R6, Apex, LOL et tout ça. CS pour certains. Donc ouais, ça fait super plaisir. Franchement, je me suis pas cassé le cul à monter tout ça pour rien. En fait. Ça fait plaisir. Donc, on a aussi rempli l'objectif des donations concernant l'amélioration des lives.
La semaine, il y a combien de temps maintenant? 4 jours. 4 jours qu'on a rempli le premier objectif. Deuxième objectif, le toile à fond vert Elgado, Chroma Key, pour améliorer un petit peu tout ce qui déconne. Et après, je vais mettre en place, une fois que celui-là sera atteint, je vais mettre en place l'objectif pour la carte d'acquisition pour commencer à faire des gameplays sur PS4, Xbox et Switch. Donc on va agrandir un petit peu le panel de la chaîne, pour ça il y en aura pour tout le monde et être pour tous les goûts. C'est clair, Banane, ça monte vite, c'est bien. Et ça monte vite, certes, mais ça monte aussi avec des gens sérieux. Et c'est ça que je veux. De toute façon, la moindre réflexion, la moindre insulte, ça dégage. Donc, c'est pour ça qu'on est propre, une communauté propre. Ouais, après... Après, moi aussi, ça me fait chier qu'elle soit dissoute, la secte, hein. C'est sûr. Hein. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est sûr, hein. Ils avaient un bon RP, mais bon, ils ont pété le RP en une soirée, quoi. Après, il y a eu un ras-le-bol, après, j'ai discuté pas mal avec vous. Voilà, c'est comme ça. Comme j'ai dit, on est des gens civilisés, on peut discuter de tout, de rien. Je peux comprendre. Je respecte le choix de tout le monde. C'est ça. Ils ont décidé de fermer la team. Salut garçon. Hey fiston. Hey fiston. Ouais. Ça va ou quoi? Putain, je peux pas sortir. Putain, attends, j'ai une jambe de bois et tout, je peux pas sortir là. Comment ça se fait là? Ah. Oh putain. Oh là. Putain, ça va ou quoi? Eh. Hey. Ouais, ça va. Ah putain, oh putain, j'ai mes jumelles encore. Ça va ou bien? Eh hey, dis, je suis en train de schtroumpfer un petit peu dans le parage là. Et je me demandais où je pouvais faire un peu de... Un peu de pognon, quoi. Du pognon? Ouais. Bah c'est très simple, il y a un truc rapide pour faire du pognon. Ouais. Regardez, vous voyez. Pourquoi t'es à poil, toi? Sur la carte. Et je trouve gourmand, là, t'es à poil. Ben. Vous voyez mon doigt sur la carte? Je vais vous montrer un... Attends, je te mets la carte sur le coffre, ouais, là. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Bah en fait, c'est les entreprises. C'est, vous allez être là-bas, vous travaillez, et ils vous payent assez bien. Regardez, par exemple, il y a la cité d'or, là. Ouais, putain, j'avais pas vu, ouais. Déjà, mais le souci, c'est que ça gagne pas énormément, quoi. Sinon, vous pouvez aller au casino. Après, le casino, là, en ce moment, je crois qu'il est pas ouvert. Mais... Ah putain, j'ai mon gilet pare-balles, putain de merde. Regarde, j'ai trouvé le gilet pare-balles, et tu le trouves comment, toi? Oula, oui, faites attention avec ça, c'est... C'est vrai? Pourquoi? Ah merde, les keufs, putain. Lève. Ouais, j'enlève. Et du coup, t'aurais pas une moyenne. Ouais, j'enlèverai après. Parce que j'ai tout claqué au casino, mais il est fermé le casino là. Qu'est-ce que ça se passe? Ouais, il y a des problèmes avec des employés, je sais pas quoi. Une histoire assez triste, mais. Ouais, c'est chiant parce que putain, il y avait de la meuf et tout, et c'était sympa quoi. Ah, c'est bien. Il y avait des gos, tu vois. Enfin, des gos. Bon, bah ça marche. Ouais, bah écoute, merci du renseignement, fiston. Avec... Ouais, non, les entreprises, vraiment, c'est. Oula, bon, bah. Attention, les petits gars. Oula. Bon, bah, on va faire comme ça. Bon bah ça marche, merci l'ami hein, à bientôt, ouais, merci ça. Durance, putain faut que j'enlève ce gilet parce que s'il y a les flics et tout là, putain je vais me faire baiser. Cache-toi, ils sont où les flics, y'a les gars là? Non, y'a pas les keufs là? Ouais, ah, je crois que c'est les keufs. Hein. Arrête tes conneries. C'est les keufs hein, faites attention à vous monsieur. Oh putain. Bah allez on se casse là, putain j'espère que les flics, on se casse là. Vas-y j'avais mon gilet, putain je suis con, j'aurais pas dû le ramasser le gilet en fait. Putain mais t'es con, pourquoi tu m'as donné un gilet aussi? Bibi, oh, dis-moi, tu connais Cordias? Et je crois que je l'ai vu au niveau du garage. C'était lui, j'ai reconnu sa voix. Lui? Oui. On devait pas l'emmener quelque part, Dédé? Qui? Jaffé. Okay. Qui ça? Cordias, mais je crois que le ministre, il voulait encore, non? Il voulait pas encore, Dédé? Je sais plus. Faut que je regarde ça. Oh merde. Non, ça putain. Il est là, ouais. Il a pas bougé bien loin. On va pas bouger le corps de ça. Est-ce que tu veux mettre un gilet dans le véhicule? Je peux enlever quelques trucs et le mettre dans mon sac. Non, non. Bah vas-y, casse les murs de la maison, toi. Putain, t'imagines, toi, le propriétaire, il gueule, là. Qui c'est qui va payer? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta paye, toi? Moi qui vais payer encore. Oh, j'en sais tous que t'as bien assez d'argent, Dédé. Moi j'ai pas de thunes, moi, qu'est-ce que tu racontes? Oh. Pas de pognon, moi. Oh, pas de quoi tu parles.
Putain, les grillages et tout, putain. Vous voulez vraiment me ruiner. Hein. Oh, personne sait que c'est nous, écoute. Ouais, bah, heureusement. À pire des cas, je mets ça sur le compte de la boîte à cul. Bah, la boîte à cul, déjà, pour commencer, c'est ma boîte à cul. Donc, c'est moi, c'est mon pognon. Donc, c'est moi qui vais payer. Elle arrive mardi, la chaise. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une petite matinale ou une petite vidéo de la chaise quand elle va arriver. Ah, ouais, nickel. Hein ? C'est nickel ? Ah, bah oui, putain. Parce que là, j'ai la barre de fer qui est posée pile poil sur l'os de mon cul. J'ai mis un coussin, mais le coussin, il s'est tassé. Donc, du coup, j'ai l'impression de passer une soirée avec N'Golo. C'est pas mal. J'ai bien aimé. J'aime bien. Et du coup, j'espère que je serai plus comme ça, quoi. Parce qu'à la fin de la soirée avec vous, je suis comme ça, quoi. Je dors sur le micro et tout. Pas mal. Copperfield, il est parti que dimanche et demain. Ouais, Copperfield est parti. Après, c'était Sherman qui est parti. Après, les Skito, il est parti, t'es commandant. Donc, et les poulets Matt. Et du coup, c'est moi qui ai repris la place de colonel. T'es pas obligé de... Ou pas. Donc voilà. Donc ils me font confiance, donc ça me fait plaisir. La preuve, ça marche, parce qu'il n'y a pas trop d'histoire. Ah bah ça va. Mardi, mercredi ou plus tard, mardi pour la chaise. What to generals? Ouais, non. Bah. Putain, c'est quoi ça? Bah putain. Ah bah alors, putain, mais Nick, t'es sérieux là? Non mais l'autre, t'es sérieux quoi? Le mec, il voit qu'il y a une bagnole au poteau électrique, qu'est-ce qu'il fait? Il fout la bagnole au poteau électrique. Alors, t'as cru qu'on allait faire une étoile de neige ici? Ou qu'on allait faire une soirée? Pour ma défense. Putain, le mec. J'ai mal avancé le garage. Bouge pas, t'as mal. Putain, du coup, mon front, il m'a éclaté sur le pare-brise, mais je dois rien dire, tout va bien, c'est normal. Vas-y, je te mets un pansement sur le front. Là. Et en plus, il faut que je répare la bagnole. Mais c'est génial ça. Mais non, on te soigne, c'est déjà bien. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est bon. J'ai mis une morphine ? Non, non, je suis très bien à ma place, banane. Il s'est pris le dossier aussi. Il s'est pris le dossier dans la tête. Fou ces poulets. Ils respectent même pas le code de la route. Non. Là. Bah là, qui c'est le bagnole là ? Vous l'avez identifié ou pas ? Ah ouais. Ouais, bah moi aussi, Laudrine Lolo. Y'a pas une arme là-dedans? Ouvert. Eh bah tu l'as crochette. Putain les gars, faut tout vous apprendre ou quoi? Bah rien, j'ai de crochet. Est-ce qu'il faut que je vous apprenne les bases du métier? Ah non. Ah ouais, bah ce qu'il me semble. Ah putain, la mêlée a cassé de la merde. J'ai les clés. Alors ? Je sais pas ce que c'est. Rien. Qu'est-ce que je me disais ? Y'a rien ? Du tout, RS. Y'a un hélicoptère bizarre là-bas. Coming, ouais. Il va atterrir à la LCO là. Bibi, t'as les coordonnées de l'entrepôt de Ragnar là ou je sais pas qui ? Vince ? Bah oui, il est juste en face au centre de LC. Ah oui. Faudrait qu'on tourne autour pour voir. Stock. L4 sur la gauche. Ouais, mais en fait, je pense que je vais plutôt aller me renseigner vers des gens qu'ils connaissent. Allez, on bouge. Savoir où il est. Tu vois ce que je veux dire? Non? Tu veux pas? Attends. Ah bah c'est bon, il est suivi. Ok, je... Attends. On va se faire. CPA de DD, vous êtes sur le L4 là? Fais-moi une com longue avec CPA dès lors s'ils sont sur le L4. Sira pour CPA. Ok, bon app, Tico. Confirmez que vous êtes sur le L4. Répondu? Non. D'accord. Génial. C'est classe.
On voulait vérifier, on a vu un L4 qui survolait vers Pyrgos, Sharka, tout ça, et on vous a vu juste derrière. Est-ce que vous êtes dessus ou pas? Fille, oui, il y a un dragon qui le suit. Ok, merci. Non. Bon, allez, nous, on va retourner. On retourne dans l'ouest. Pourquoi cette information? Pourquoi? Y a-t-il un truc? Ouais, mes gars! Glisse-moi dans ton bureau. Je peux pas, je suis en jeu. Quand je suis en jeu, je peux pas, sinon ça fait bug le stream. Et d'ailleurs, t'as rien à foutre sur mon bureau, t'es pas du staff, toi? Qu'est-ce que tu veux foutre dans mon bureau? Dans mon bureau, c'est le staff, les gars, c'est pas un salon d'accueil. Génial. Bon, t'es non, mais t'es sérieux, mec? Tu vas conduire. T'es sérieux, là? Nick, je vais conduire, je pense pas mieux. T'as pas mal? Non. Moi j'ai mal par contre, allez. Vas-y, soigne-moi. Ouais. Me fais pour tes gueules. Pas mal, j'ai de la merde. Une douleur. Ah mais moi j'ai pas de morphine. Vous êtes faire soi-même. Ah bah va dans le bureau à Jackson. Aussi hein, je me suis fait mal. Et le 4 vert. Et là j'attends la cop de Jackson. Et le labo de mettre en dessous. Est-ce que je dis à Momo de venir en VL comme ça on se dispute? Ouais, bah. De quoi? On dit de prendre un hélico. Ouais, un hélico, ouais on va. Il est où là? Il est à BK. Sans dispatch, il est à la BA. Bon, bah, allez, on va à la BA. Allez. Sauf si on casse on va sur la route. Non. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein, quoi? Quoi? Ah, c'est moi qui conduis, c'est bon. Enfin, je crains pas quelque chose. Non, non, mais j'ai entendu moi, non. Ah, d'accord. Peut-être le vent. Bon. Du coup, mon petit Dicknick, tu m'as foutu quand même ma Mercedes avec tout mon armement et mes trousses dans l'eau, à la béca. C'est pas de ma faute, j'ai eu une crise d'épilepsie, je sais jamais. Donc, bah, donc tu comprends bien qu'il faut que je te sanctionne. En effet, qu'est-ce que je vais devoir faire? Tu vas devoir chanter une chanson jeudi à mon effigie. D'accord. Avec des paroles personnalisées. Je vais faire ouais. Ça, je vais t'écrire ah ça. Ah non, une chanson? Une chanson. Ah ouais, c'est bien. Et si c'est nul, à chier, t'es dégrade. Ok. Et si c'est génial? Ah, tu restes à ton grade. Oh, ok, bon. Bah quoi? Je pensais pas que j'allais. Je vais te filer 300 000 là. Parce qu'en plus, je te rembourse les armes que t'as achetées. Ok, je te ferai ta chanson. Ouais, bah ouais. Là, je suis gentil, mais faut pas abuser, hein. L'attente de quoi, Monster? Momo, t'es sur le canal 6? Bien. Yeah. Pas canal 6. Attendez, moi je suis all-in. Ils veulent tous all-in. Mais pourquoi je vous entends pas, moi, canal 6, là? On parle en... Test? Ah ouais. Si, je t'entends, c'est reçu. Bah je vous entends pas. Hey Octavia. Salut Octavia. Ma belle. T'as beau ou quoi? Salut. Tu me kiffes ou quoi? Allez, faut voir ta hein? Gueule un peu. Fais voir ta gueule. Fais voir ta tronche. Bah non, genre, enlève ton bandeau. Ah non, je sais pas. Décoller. Allez s'il te plaît. Allez s'il te plaît. Allez s'il te plaît. Ok. En échange, je peux prendre le M200 qu'il y a dans la voiture. Non, non. Tu veux que je te la mette ou... Ah, merci, tu as refait ma soirée. Pas rien. Et Momo, elle est en voiture. On prend une deuxième non? Il y avait des Momo, on prend une voiture. T'as une voiture ou pas? On va prendre. Mon colonel. Quoi? Dans votre bureau, dans votre tiroir. Ouais, j'ai vu la lettre, machin, truc et du. Oui, je sais. C'est refusé. Ouais. Parce que tu veux pas coucher avec moi, donc c'est refusé. Ah, donc si j'accepte, j'ai accepté. C'est exactement. Promotion. Promotion canapé. Oh, ça doit pas être si terrible que ça, Octa. Qui c'est qui a une trousse, là? Il y a des qui c'est qui perce, là?
Et des fuites d'eau sur le toit, c'est la sécu. Mais faut le... Sous de maille... Foutez de ma gueule ou quoi, là? Putain. Et là... Ah ouais, attends, je peux faire quoi. Sous de ma gueule, là, sécu, là, ou quoi, là? Ça fait 3 mois que je demande que... Le faux plafond soit réparé dans mon... Ah merde, putain, mais c'est quoi, c'est bah tiens, vas-y. Ouais, vas-y, mets-la sur toi. Ma gueule, là. Allez. On aura besoin d'une unité ou deux sur Sophia. On a un équipe qui a posé, possiblement. C'est reçu, on va... Tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Bah on nous a signalé des fuites d'eau. Tu te fous de ma gueule ou tu te fous pas de ma gueule, là? Ça fait 3 mois que je t'ai appelé pour réparer le faux plafond dans mon bureau et tu viens pas, et là, en 24 heures, tu viens me réparer cette putain de fuite, là? Tu te fous de ma gueule? Mais il nous a signalé une fuite d'eau. Mais on vous a signalé une fuite d'eau. Moi, ça fait 3 mois que je te signale qu'il y a un problème dans mon bureau et tu viens pas. Et là, on te signale une fuite d'eau. Ah bah décidé, je vais réparer la fuite d'eau. Mais j'en ai un à branler du bureau du colonel. Mais tu vas te manier le cul d'abord de réparer mon bureau. Comment ça? Non, je rigole, je rigole. En gros, il y a comment... Non, je rigole. Ah. Bloquez l'échelle. Bloquez l'échelle. Coupez le vérin. Coupez le vérin de l'échelle. On va faire passer ça sur un accident. Peut-être pas la faire tomber, colonel. Elle ou... Elle? Madame? Oh, c'est une longue histoire, bébé, c'est une longue histoire. Bon, il... bon, mon bureau il est réparé quand là? Bah, dès que j'aurai fini. C'est elle, hein. Ah, oh, putain, c'est... Ah ouais, c'est ta femme, Ryan. Oui, c'est elle. Tu peux... Bon, je suis toujours invité au mariage ou pas? Ta gueule, toi. Mais est-ce que tu peux t'éloigner, s'il te plaît? Ah, d'accord. Parce que du coup, il y a une fuite d'eau sur le toit, on est venu vérifier. Mais, là, mais putain, mon bureau il est juste en dessous. Je suis en train de te dire que mon bureau il est en train de se casser la gueule, je peux plus l'utiliser. Parce qu'à chaque fois que je mets un détenu là-dedans, et eh ben, il se noie. Donc après on dit que je tue des gens, alors c'est pas vrai, ils sont en train de se noyer en fait. Et bah on va vérifier ça dès que j'aurai fini de vérifier déjà s'il y a vraiment une fuite d'eau. Ouais, tu veux les clés de mon bureau peut-être, non? Ouais, je veux bien. Tiens, je te les donne. Et si tu me voles des papiers ou si tu me mets des mots un peu doux, parce que Ryan est là, tu pourras pas m'en mettre. Mais tu... je te promets, je te dis rien. Arrive Dédé, hein. Là, y'a le mari qui est pas très content. Non, on se casse. Arrêtez de venir tous sur le toit. Vous allez vous mourir ou quoi? Ils sont crevés en fait. Ah non, on bouge. C'est celle-là ou pas? Non, c'est celle-là. Des ponts, tu veux celle à côté, c'est celle-là. Tu conduis ou je conduis? Non, tu conduis. Incroyable. Qu'est-ce que c'est, masque encore? Masque? Ah, le masque de bandit? Ouais. Putain, ah, c'est pour. Bon. Allez, on est DR6, faut qu'on soit des bandits. Tu mets. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi, Artyom? Ah, j'étais sûr. Je me... Hey, rigole pas! J'ai fait une bêtise, voilà. Oui, je sais, j'ai fait une bêtise. Je vous laisse continuer. Bon. Et t'inquiète pas, je suis prêt à me faire sermonner. Non, mais c'est pas la première fois que vous faites des bêtises, les gars. Guzman? C'est le problème de l'après-midi. Bon! Eh! Et je compte sur vous pour mon bureau, hein! Oui. Bon. Sachez que, à partir de maintenant, lorsque vous faites des grosses conneries comme ça, c'est viré de cire. Je sais, je m'attendais à ce que je te rende l'insigne ce soir, je t'avoue. C'est vrai? Ouais. Mais je vais pas te mentir, j'y ai fortement pensé. Qu'est-ce que tu penses plus juste? Bah, je vais en discuter avec Steven, ce qui est le lead. Du coup, de Cerrado, on va aller check l'entrepôt qu'on a vu tout à l'heure de Vinfranior. Apparemment, il y a des. Vous êtes policiers, les gars, vous n'êtes pas des rebelles. Il me semble bien avoir dit que c'est pas à nous de lancer des codes noirs. C'est reçu. Mais dans la complexité, pour me défendre, je dirais, dans la complexité de la chose, dans le sens où c'est par rapport à ce qui s'était passé justement avec ces personnes-là hier. Je me suis dit, si on s'est fait embarquer, on était foutus en fait, de toute façon. Après, je pense que j'ai pas la bonne réflexion dans le sens où je me suis dit, bah, quitte à me faire les zigouiller, autant zigouiller à ceux qui essaient de nous zigouiller, quoi. C'est ça. Bref, on en rediscutera plus tard. Non, je peux enchaîner deux, c'est vrai. Ouais, enfin, on va pas en discuter plus tard, ça a déjà été statué par le juge. Non, mais si tu veux, moi je préfère que tu m'en parles maintenant, que tu me dises tout en fait. Non, mais j'ai pas encore vu le truc en fait.
J'ai regardé le truc, comment ça s'est passé. Qui c'est qui parle comme ça, non? Ça, c'est Nick Nick qui met sa musique. C'est quoi votre merde de musique, hein? Allez, je suis sorti de votre bagnole et vous foutez déjà la merde. Oh, c'est de la musique classique, Dédé. Bon, bah, les couilles. Bon. Oh. Moi j'y vais. Ça là, je mets ça là, hop. Oh, je tousse encore. J'ai envie de prendre des vannes pour passer incognito maintenant qu'on est plusieurs. Ou autre des autres voitures. Allez, les Mercos. Oh. Vas-y si tu veux, on s'arrête au prochain garage. Direction BK. BK, direction Kavala. Oh. C'est reçu. On va essayer de choper un civil qui nous sort des Fiat 500. Ou c'est à l'ALC les Fiat 500? Tu parles des apparts là, les pots de yaourt? Ouais. Ouais, oui, non, c'est au garage normal. Ah, les gaz, direction Kavala. T'es au courant que la secte a été dissoute? Oui. Oui, ils sont partis de l'île. Ils ont préféré faire leur machin, je trouve, bidule chouette. Bientôt, enfin reste, je sais pas exactement quand, je peux pas vous dire, mais bientôt. Tout ce que je sais. Ça va dormir sur ce pub. La grosse mise à jour. Bah bientôt, normalement, je sais pas, je peux pas vous dire de date, les gars. Mais bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Faut s'attendre à ce qu'elle arrive bientôt. Vous devrez crafter. Ouais. Il était tout nu encore. Oh. Ouais, non, on est déjà plein. Nick, il est si nu. Quoi? Nick, il est si nu. Putain, Nick, Nick, je croyais que tu conduisais plus. Bon, je prends un billet d'absence, je suis dans le L.
Salut. 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 Bonjour monsieur. Bonjour. Allô. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Garde pas de pistolet. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire ? Ah, bonjour. Ça va ? Excusez-moi, je suis un petit peu timide. Ah bah c'est pas grave, faut pas être timide monsieur, voyons. Pourquoi vous êtes timide ? Est-ce qu'une femme vous a quitté il y a pas très longtemps et vous n'avez plus du tout confiance en vous ? Vous avez subi une séparation et vous avez plus confiance en vous ? Vous venez d'arrêter de boire de l'alcool et vous n'avez plus confiance en vous ? Ça tombe bien. Mes collègues psychologues et moi-même sommes là pour vous régler le problème. Ça fait longtemps que vous êtes arrivé monsieur ? Oh, vous savez, quand on est dans la rue comme ça, on s'accroche à tout n'importe quoi. Ah bah, tant que tu t'accroches pas à ma jambe, moi ça me va. Bah tu vois ce que je veux dire. Bon fiston, oui, tu viens d'emménager en ville ou pas? Pas du tout, non, je viens d'arriver là. J'arrive en taxi. Tu viens d'arriver tout juste à l'instant en taxi? Ah ouais, il y a... Ah la vache. Deux minutes. Ah ouais. Et tu cherches une maison pour habiter? Tout à fait, bah là je visitais un petit peu le coin. Ah bah tu verras, c'est super sympa le coin. Il y a plein de choses à faire, il y a du travail partout, il y a des entreprises partout. Dès que tu gagnes un peu bien ta croûte, ben, tu peux faire pas mal de pognon. Il y a la boîte à cul à Néo-Chori qui va te permettre de rencontrer un petit peu de gonzesses, tu verras. Tu vas te refaire. Ouais, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et tu vois, après, ben... Actuellement, ça manque pour le travail. Ah, et ben écoute, t'achètes-toi. Tu t'es déjà acheté une carte et tout ça, une boussole et tout ça? Du tout. Ah ben, t'as des sous? T'as des sous pour acheter ça au moins? Attendez, je vais vérifier. Oui, j'ai un petit peu de sous, mais voilà. Voilà, allez, viens voir. Ah, bah, je comprends, viens voir. Voilà, je vais te montrer tout ça. Regarde, je vais te montrer un truc. Hop, regarde, t'as ton premier salaire. Ah oh, monsieur, bonjour, merci. Voilà, maintenant tu vas venir avec moi. Allez, viens. Merci. Viens avec moi. Tiens, viens là. Viens acheter ton permis de conduire. Là. Ça, c'est la préfecture. Je te présente Marie Jocelyne. C'est une copine à moi. En fait, on est sortis ensemble et je l'ai largué du jour au lendemain et je l'ai plus jamais revu en fait. Mais faut pas lui dire. Voilà. Ah, ouais. Je dirais rien, ça me tombe. Si tu veux, je t'arrange le coup. Par contre, c'est la seule gonzesse. Tu vois, en une année, je me suis fait 150 kilos de gonzesse. En une seule fois. C'était elle. Oh, ouais, c'était drôle. C'est bon, t'as acheté ton permis? Non, pas du tout, non. Ah bah vas-y, achète ton permis. Alors ici, tu trouveras ton permis de conduire. Tu vois, il y a différents papiers. C'est la préfecture, en fait. C'est Marie-Jocelyne. Je ne trouve pas. Tu ne trouves pas quoi? Des cartes, des boussoles, téléphone. Ouais, bah tout ça, t'en as besoin. Hein. Téléphone et tout ça, t'as besoin. Bon? Ouais. Je prends quoi? Je prends juste téléphone? Ouais, tu prends un téléphone, la carte, la boussole, le GPS. Tu prends tout ça. Voilà. Voilà, et là, tu vas ouvrir ta carte. Tu penses très fort à virgule. Toute ta carte. Et là, tu vois, hop, tu vas voir tous les magasins, toutes les administrations et tout ça. Nickel. C'est pas beau, ça? Parfait. Tu vois? Regarde. Et là, on va aller là. Allez, viens.
Viens mon ami. Viens mon ami, viens, viens, viens. Et là... En fait, excusez-moi. Ouais. Je me suis pas présenté. Ah bah présente-toi, vas-y. Exen Miller. Ah, enchanté, moi c'est Joe de la boîte à cul. C'est Jean-Michel de la boîte à cul. Alors, hop. Merde, ça va pas marcher. Pourquoi ça marche pas avec toi? Voilà, c'est Jean-Mich. Ça, c'est une sommation. Quoi, c'est une sommation? T'es bon, mec? Merci. Ah, Xen. Tiens, regarde, va acheter ton permis, là. C'est bon, tu arrives? Ouais, c'est chiant à trouver, hein. Ouais, je signe, elle est chiante, toi. Elle est fâchée. Voilà, j'ai acheté les permis. Ah bah voilà, nickel, regarde, viens avec moi maintenant. Oui. Mais ça, c'est le tuning, hein. Regarde. Là, t'as le garage des voitures ou tu peux acheter une voiture? Voilà, là, popopo. Et maintenant, tu peux, n'oublie pas d'assurer tes voitures, sinon tu les retrouveras plus jamais. D'accord? Maintenant, tu vas dans le concessionnaire en haut, concessionnaire automobile en vert. Tu vois? Oui. Le catalogue vert. Tu vas dans ce catalogue-là et tu me donnes le prix de la Abarth. Alors. La petite Abarth. Alors, on m'a dit Abarth. Abarth 500? Ouais. Alors, c'est. Prix de l'achat. 120 000. 120 000. Eh ben, tu sais quoi? 120 000. Je t'embauche. Ok? Je vais te donner de l'argent et tu vas me vendre deux voitures comme ça. D'accord. Il est où là? Bien. Tiens, je te donne de l'argent. Tiens, je te vends des. Voilà. Oh, ça fait beaucoup de pognon, c'est ça. C'est reçu, Jeff. Oh la vache. Allez, tu m'en sors une. Vous pouvez venir me chercher ou... on peut, si tu veux, viens. J'arrive. Voilà. Tu fais Y. Tu touches très... T'ouvres ton porte-clé. Ouvre ton porte-clé avec Y. La porte-clé. Voilà, tu fais porte-clé. Tu prends la voiture. Et tu me fais donner à Jean-Michel de la boîte à cul. Voilà. Regarde. Et du coup... Bah, je me retrouve... Avec les clés de la voiture, tu vois? Ah. Allez, on fait la même chose une deuxième fois. Non, mais c'est sympathique, ça. On fait la même chose une deuxième fois. Regarde. Allez, vas-y, montre-moi que tu sais faire. T'as le porte-clé? Ah bah super. Après, tu vois, tu t'approches de la voiture et tu penses très fort à la télécommande avec le bouton en forme de U, là. Tu vois? Et ça va t'ouvrir les voitures. Ok? Allez, félicitations. Merci. Félicitations, t'as... Bah écoute, je suis obligé de fermer l'entreprise, je suis désolé. Donc en contrepartie, t'as une prime de départ. D'accord. D'accord. Et je pense qu'avec ça, tu survivras un peu. Bon allez. Salut l'ami. Merci. À bientôt Miller, bon courage. Et bienvenue à toi. Allez, c'est parti les gars. Vous prenez les Fiat 500, les voitures, direction la BK. Plus de mes conneries, ça fera un heureux.
En plus, je crois qu'il va retrouver. Ah, bah, j'aurais dû lui faire assurer les bagnoles. Oh, tant pis. On prend qu'une seule Fiat? Non, il y en a deux, les gars. Pourquoi le civil il prend la deuxième alors? Non, vous lui prenez les. Vous lui prenez. Il a pas compris le civil en fait. Il vient d'arriver, les gars. Expliquez-lui que je viens de lui payer la voiture et ses indemnités de démission. Donc. Désolé, une question, c'est pas de place ces trucs là? Je sais pas. Il y aura un problème alors si on me manque une place. Ah ouais, je prends ma Ford Victoria. Moi. C'est bon, il y a tout. Ça dépend, ah vous organisez comment ouais. Allez, on est combien là? On est 5. On est 5, Dédé. Vas-y, essaye de rentrer à plusieurs là-dedans. Oui, bah, c'est si, bon, c'est bon. Ouais, on peut. Bon, qu'est-ce que vous m'emmerdez alors? Mais on se dispatche comment? C'est bon. Les équipes. Bah, quoi, c'est bon? C'est marqué sur carte, avec les points sur carte. Moi, je monte avec Nick Nick Bibi et. Ouais. Et Dédé, il monte avec Momo. Que. Okay. Moi, personnellement, j'ai mis what? Les gars? Quoi? Ah, faut transvaser les gars, les armes ça se fait pas moi, tout seul. J'ai transvasé mes trucs moi. Ah mais c'est bon. Foutez ma gueule, moi j'ai les pare-balles là, il est où là? Il est à l'intérieur. Ouais, il est là. On va avoir un souci de place en fait. Certainement je prendrais pas le reste mais presque. Dédé tu m'as fait mon... Okay. Attends il fout... Pas ton PC. Putain mais ils ont tout mélangé ces couillons là. Putain vous avez changé de voiture, faites chier hein. Eh vous cassez les couilles les gars. T'en déconnez, vous faites de la merde, hein. Oui, comme à chaque fois d'ailleurs. Quel véhicule vous prenez, hein. Ouais, parce que nous on a déjà mis nos affaires là-dedans en fait. Hein. Putain, vous êtes vraiment des bleus, moi, putain. Moi j'ai rien, moi j'ai pas des. Moi, mes affaires. Vous êtes des bleus, vous êtes des bleus, vous êtes des bleus. Ah, t'as un kit, Jeff? Non, j'ai pas de kit. Voilà, voilà, voilà. Donc je garde ma bagnole là, j'équipe ma bagnole et eux ils viennent tranquille. Salut, c'est ma bagnole. Alors, bon, allez bouffer des McDo. Hein. Bande de sacs gosses. C'est bon. La M320 c'est la mienne, hein, on est d'accord. Ouais, c'est la tienne, ouais. Non, non, mais c'est pour être sûr, parce qu'avec ces c'est rigolo, là. T'as ton gilet dans le coffre, d'ailleurs. Ouais, ouais. Attends, j'ai plus de chargeur, moi.
Ah si, là, un viseur. Ah, il met ce noir. Hop, ah, t'es là. Ouais, je le prends parce que j'ai plus de viseur. Ben, et là, du coup, j'ai toc, 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 la trousse. Ça va être ricroc, mais je pense qu'on va y arriver. Ouais, mais c'est bon, c'est nickel. Allez, hop, on se casse. Ouais. Ah, c'est pas mieux, là? Ben, on est incognito, les gars. C'est ça, le boulot de Sierra, être incognito. Ben, on se fait passer pour des représentants commerciaux d'une assurance de véhicule. Ok. Allez, on est des vendeurs d'assurance. Qui c'est qui rigole? C'est vrai, on n'a pas les clés, non? Ah non, on n'a pas les clés, les gars, je vous le dis tout de suite. Bah, on partit pour le télécrochetage alors. Ah si, j'ai les clés. Bougez pas, dealer de pas bouger. Voilà. On fait comment là avec le civil qui est dedans? Ah, toi, tu sais que c'est ce qu'on a pris. On a pris le lapin. Il va rien comprendre lui, il dit putain mais c'est les voitures que j'ai vendues. Vous m'entendez là? Allez, affirmatif. Putain, il y a personne qui répond. On a fait la même remarque. Oh putain, mais t'es fou toi, t'es dangereux toi mec. Les gars, c'est normal qu'il y ait un mec qui fait des zigzags dans le quad là. Non. Ouais, on s'en bat les couilles, on se casse. Je suis pas là pour assurer des quads, mais là pour assurer des voitures. Exactement. Bah, un véhicule, c'est quoi? Bah, un quad, ça s'assure pas. C'est vrai. Donc s'il n'a pas assuré les voitures, il va pas les retrouver dans son garage après, en fait. Si, sauf si on les fait péter. Oh. Ah mais il n'y aura plus rien dedans. Ah oui, il n'y aura plus rien dedans. Ouais. L'inventaire des voitures, ça se conserve que chez les policiers. Et tout seul, on est que tous les deux là? Sans motif. On trois dans l'autre pot de yaourt. Dans notre joli pot de yaourt. Excellent cette merde. C'est pas mal hein? Bon là on est à fond mais. Trop fou, pas trop fou. Son service au niveau de Ifistonia là ou Lonia Loanina là au nord-est. Ah, ça arrive. Les unités plus proches que nous. Et Dédé, d'ailleurs, tiens, bonne question. Comment on fait si on doit répondre en longue maintenant? Bah, on répond par message, je pense. Effectivement. Oui, mon fond vert qui commence à déconner. Voilà pourquoi je veux un fond vert, parce que ça déconne. On a trouvé un client. C'est compliqué, hein. Allez, je vous mets en pause deux secondes.
que en venant nous avons vu que vous aviez certains problèmes de conduite. C'est pas conduire. J'ai le permis. On a vu également que vous aviez cassé un truc là-bas. Et on voulait vous proposer justement une de nos belles assurances automobiles. Bonjour monsieur Vincent. Bonjour. Oh là là, voiture cassée, capote. Bonne assurance. Bonne assurance. Bonne assurance. T'as devoir assurer véhicule. Vous parlez tous en... Nous, assurance, nous commercial, nous vendre produits pas chers pour en toi. En même temps, est-ce que je peux avoir... Allô? Tu peux avoir quoi? Toi, vouloir quoi? Toi, pas avoir de réseau là? Un seul interlocuteur, s'il vous plaît, messieurs, vous parlez tous en même temps. D'accord, ouais, pas de soucis. Non, mais on était justement en train de penser à ça. Et du coup, les gars, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Tout le monde parle, besoin d'assurance. Allô? Allô? Ouais, en effet, t'as besoin d'une assurance. Son véhicule, okay. Voiture Camelot, voiture pas bonne. Ah non. Ça pas bon. Non, ça pas bon. Toi ça assuré, bon. Toi assurance, toi, toi ça pneu lisse et voiture Mercedes dangereux comme voiture, beaucoup accident avec. Pas ça, tenir route. Moi proposer Clio. Oui. Clio ou Ford Focus. Oh, Abarth aussi, c'est bien Abarth. Abarth pas mal aussi. Ouais. Quoi? Et assurance pas cher pour Abarth. 300 000 l'année. Et vous 300 000 l'année. Clio Non. Abarth, pas Clio. Mercedes. Non, pas Mercedes, nul. Bugatti, voiture allemande. Nous, on roulait Smart, beaucoup de drogue dans Smart. Ouais. Nous pouvoir mettre beaucoup de drogue dedans. Abarth, sérieux. Nous pouvoir mettre beaucoup de drogue là-dessous. En fait, il faut savoir que la Barthe, c'est une des spécificités, c'est que en fait. Moi, pas connaître ta voiture. Toi, c'est bonne voiture, ça ou pas? Attendez, là, vous parlez tous en même temps. Attends, mais nous être compagnie d'assurance, nous commercial, nous vouloir prime. Et drogue? Écoute le bruit du phare. Oh, capote, oh, plastique ça. Oui. Moi, on peut regarder l'intérieur de voiture ou pas? On peut regarder l'intérieur voiture, s'il te plaît? On peut regarder l'intérieur voiture ou pas? On peut voir à l'intérieur du véhicule. Je parle tout seul. Non, on peut pas. Ah, dommage. Très gentil, non, ça. Non. C'est pas gentil, ça. Je viens de nettoyer. Non. Je viens de le nettoyer, tout. Occupé. Mais écoute, c'est pas ça le problème. Pas le salir. Attendez, y a pas de problème, vous êtes commercial, vous êtes là pour en vendre. Je vois pas où il y aurait un problème. Ah oui. Bah oui, bah alors. On est là pour te vendre une assurance. Moi, je suis commercial, écoute. Moi, mon but, c'est de te faire gagner de l'argent. Je suis déjà assuré. Mais moi, le but, c'est de te faire gagner de l'argent. Regarde. Tu vois là-bas? Vois le truc là-bas? Il est cassé. Oui. C'est comme ta voiture. Il est cassé. Tu vois pas? Ouais, il parle pas beaucoup. C'est quoi? C'est une assurance roumaine? Ah, tout de suite. Non. C'est ça. C'est une assurance roumaine. Je sais pas, il y a monsieur là, il avait un accent. Un concept venu de Roumanie, en fait, on vend des crêpes à l'huile aussi. Ça te fait plaisir. Tu veux une crêpe à l'huile? Allez, tu veux un bisou? Ok, nous, ouais, bon. Mercedes, pas bon assuré ça. Ça arnaque. Bon, toi, travailler dans entreprise, toi? Quoi? Toi, travailler dans entreprise, toi? Allô? Toi, comprends comment parler ou toi, venir dans notre pays? Non, si. Toi, travailler entreprise? Non, moi je suis intérimaire. Ah, intérimaire, où ça? Toi intérimaire, je suis intérimaire. Où ça? Oui. Où ça, toi intérimaire? Bah, quand les entreprises sont ouvertes, je travaille. Ah, d'accord, toi travailles, ok. D'accord. Bon, ben moi pas assurer Mercedes, parce que Mercedes, caoutchouc. Tous en même temps, je vous entends pas là. Ok, nous partir. Merci à l'ami. Oui, bonne chance. Bisous. Pas changer oreille, nous parler un seul à la fois et toi entendre 40 millions de personnes. Caoutchouc. Ça intéresse, il y a les deux VL qui étaient à Kavala qui sont partis après Negades là. Ok. Je suis bourré, c'est pas possible. Comment il fait pour nous entendre parler tous en même temps alors qu'il y en a qu'un seul qui nous dit. C'est comme ça. Bon, allez, on s'en va.
Y'avait rien du coup dans le VM. Négatif, y'a rien. On a tracé deux véhicules tout à l'heure et ils se dirigent vers. T'étais pas censé. Nettoyage. Jeff, je vais te venir. M4, c'est une voiture à go fast ou pas ça hein? Ouais. Bon allez, on continue, ouais. C'est parti. Digo avance. Les gars, vous parlez alors que le mec il a pas l'air. Nous, compagnie Assurance Rouge, DD. Pour 300 000, je t'assure, 2 jours. Ça va être un peu arnaque. Un peu, ouais. Ah, pas arnaque, ça s'appelait bise. La maison qui qui était à, tu sais, l'ancien traitement d'LSD, ouais. Elle était à qui? Oh. Une question. Pourquoi? J'ai les deux véhicules que j'ai tracés qui sont, tu sais, sur cette maison où il y avait une perquis une fois. Près d'où on avait fait une perquis d'ailleurs. Ah. C'est les voitures qui sont à Kavala là? Non, après Negades, tu sais, proche de la perquis qu'on avait faite la dernière fois. Oui. Bah y'a les deux, y'a deux VL qui sont là-bas. C'est clair Monster, laisse tomber quoi. Regarde, c'est chiant. Test canal 6. Monsieur. Tu montes avec Momo et Dédé du coup. Ok, j'arrive. Oh, t'as, il a tapé. Nous être compagnie d'assurance, Yankee. Et assurance. Momo, arrêtez-vous, Yankee, montez-vous. Tu as besoin de nouveau permis de conduire, toi, hein. Descendre voiture. Toi, réparer, oh là 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 là. Reviens, reviens. Quoi descendre voiture. Putain. Oula, oh là là. Quoi descendre, constat, constat. Oh là là, constat. Oh là là, dommage intérêt, là. Oh là 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 là. Toi, descendre. Allez là. Oh là là, collègue blessé. Appelez hôpital. Appelez hôpital. Appelez hôpital. Oh là là là. Toi renversé collègue à moi. Moi besoin de maintenant hôpital. Pas attention. Pas bougez pas. Arrête bouger. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il casse notre véhicule. Fou lui. Il est fou lui. Il casse notre véhicule. Et comment? Bah oui, il faut payer la sécu. Putain! Non, vas-y, on l'embarque. On l'embarque, on va au. On va au mec. On a à l'hôpital à côté. Là. De on va le redémarrer. Oui, mais il y a l'hôpital à côté. Mais sinon, on va à l'hôpital juste à côté. Il y a quoi? Au cas où je reste dans le véhicule, je peux pas poser mon équipement. Bah, de toute façon, je pense qu'on va en avoir besoin d'équipement. Il est là, police! Non, sécurité! Toi, pas bouger! Il est là, il est là, il est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, besoin, vite, pompier, vite, vite. Bon, bonjour, blessé. Lui renversé, collègue à nous. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on a notre collègue, comment? Mais qu'est-ce que vous faites au milieu de la route là? Allez! Ah, il est pas bien, il est pas bien. Marcelo, Marcelo, viens m'aider à soigner le monsieur là. Il est pas bien. Allez. Il faut soigner le torse là, le torse. Ah, le torse. DRCP après. Test. DRCP, il faut stabiliser. On a un deuxième coma.
Ouais. Nombreux véhicules, on a eu des accidents, RCP. On est... On peut commencer RCP. Hop. C'est ce qu'on a là. Oui, merci. De Cobra en direction rouge. Pour info, on est sous couverture, tout le monde est... On n'est pas en spot encore, mais par contre, on a un gros véhicule, on se fait... C'est un t-shirt, oui, je l'ai acheté, c'est sympa. Est-ce que vous êtes armé? Alors, j'ai des individus qui viennent de sortir des haches, et une hache, et ils sont ensemble. Toutes les personnes sont ensemble, et ils sont des haches. C'est reçu. Est-ce que vous êtes armé ou pas vous? En fi. Je suis dans le véhicule armé, mais on m'a pas retenu encore. Non, c'est... J'ai l'intention vite, vite. Il est pas bien là. Ah, il faudrait appeler. Il y a quelqu'un qui a appelé la sécu civile ou pas là? Ouais, ouais, ici, docteur là-bas, docteur là-bas. Monsieur. Ça me pas bien les gars. Là-bas aussi, docteur, là-bas, blessé, là-bas aussi, là. Là-bas, blessé. Encore? Oui, encore là-bas. Là-bas, venez. Ah oui, sur zone 2, c'est bien, info sur vous. Ici. Pour l'instant, juste plusieurs personnes avec des haches. On s'était fait rentrer dedans, on avait eu plusieurs blessés. T'imagines qu'un copé DG est en train de... Faut tous de... Non, c'est mon... Excusez-moi de la... Pourquoi, collègue, à vous sortir H? Écartez-vous, je suis en train de... Imagine... Bon, brûlé d'ingénieur... Attends, RCP, défibrillisé. Hein? Voilà, écartez-toi. Ouais, du coup, on s'en fait une générale. Négatif, les gars, c'est légal les H. Affion. Bon, je mets la sécurité autour, là, mettez-vous juste pour genre pas vous montrer qu'il y a un accident et on va vérifier que tout le monde va bien. Mais j'ai une entreprise à faire. Et que ça s'énerve pas. Exactement. Ils ont des H, pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Pas de pire des cas, on va les contenir doucement et puis procéder. Pour l'instant, ça va, ils sont gentils donc. Fais du contact à la CV, à la population là. Éteignez les sons inutiles aussi. Le seul contact à la population que je connais, c'est Diacrim. Qui a renversé un agent de police. Ouais, monsieur, je sais pas. Est-ce que vous pourriez jeter un œil à Maro Ariane? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça c'est mon cas. Bonjour, monsieur policier, vous vouloir assurance? Vous avoir très belle voiture. L'APM Nord, ça. Vous désirez assurance? Si vous avez un mécano, ça c'est parfait. Vous avez un mécano, ça c'est parfait. Vous avez un changement de voirien. Attends, ça baigne. Regarde le sol. J'aimerais bien circuler. Vérifie si t'as tout sur toi. Toi, avoir tout. Moi, avoir tout, ouais. Non, moi, casse sa tête. Venez avec moi. Mais toi t'es dégueulasse, tu pues. On dirait que t'as bu beaucoup d'alcool. Ouais, mais il faut que j'aille me doucher. Alors regardez. Avoir besoin d'assurance voiture de riche. La roue arrière là. Ah oui, lui riche, lui beaucoup argent. Toi a besoin d'assurance voiture. Le sultan du chapeau. Ouais, vu sultan. Toi gros sultan, pas insultant sultan. Nous on est assurance d'assurance. Nous on est entreprise d'assurance DD. Dans un mot de Leblanc. Ok. Nous vendre assurance pour riche. Dans ton véhicule, t'avais mis une trousse. Ouais. Bah ça ne concerne pas. Bah si, parce que toi par risque, m'en pas parler à toi. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on est assuré. Y'a pas de soucis. Non. Toi, on va provoquer accident là, donc toi, besoin d'assurance. On a rien provoqué du tout là. Toi, tu dis de la merde, mon petit bonhomme. Mon garçon, non. Ton collègue, il essaye de m'arrêter sur le. Non, bah toi, pas parler comme ça à moi, s'il vous plaît. Parce que police m'en prévenir après. Si toi pas mal parler à moi. Ouais. Monsieur police, lui vouloir arnaquer moi. Yonki, je me planquer dans les buissons vu que je suis full équipé et que je peux pas me déséquiper pour pas crier notre couverture. Ah nickel, attendez. Bah attendez, on va le coffre, ça serait mieux. Bon allez, on nous s'en va. Allez, partir nous, raciste. Nous partir. Qu'est-ce qu'il me fait? Attends, je vais t'ouvrir. Nous partir. Viper Lee pour CPR Lee. Transmet. Est-ce que vous avez besoin de renfort à votre niveau ou pas? Négatif. S'il monte. Bien pris. Ça mort les gars, ça mort. J'ai mal.
Allez, on prend poursuite la... la Rolls Royce, on écrase un collègue. Ouais, j'ai mal, en plus. Et j'ai mal, non. Allez, on écrase un civil. On arrive sur vous, les mecs. Enfin, faut... je m'endors bien avec la tête dans bon, le micro, le nez dans le micro en fait. Allez, on s'en va à la Sierra. Retour Canal 6. On fait un troisième véhicule du coup. Ah ouais, peut-être à ce moment-là. Ah, mais alors, faut... retour à la BR. Bon, nous partir. Prendre une Ford Victoria et une connerie, j'en sais rien. Parce que ça, c'est. Il s'est fait carotte. Qui s'est fait carotte? Monte ceux en face. C'est pas le tien celui-là. Qui s'est fait carotte? Ah, parce que c'est. Ah, c'est... j'ai cru que c'était des nouveaux véhicules de police là-bas. Vous avez chouré à quelqu'un? Ou. Ah, loué plutôt. Ah, loué, d'accord. Je pense que le mec, il est... c'était son jour de chance quand même. Ouais, le mec, il vient d'arriver. Besoin urgence, Kavala. Aux urgences de Kavala? À l'hôpital? Ouais, ça sonne mieux dans ma tête. J'ai mal au pif les gars, putain, c'est pas normal. Ça c'est la coque. Non mais putain, je vais regarder, j'ai un truc dedans. J'ai pas une crotte de nez, mais j'ai un truc qui me fait super mal en fait. Faut voir ce que tu ranges dans ton nez hein, ensuite. Non bah non, je vais me procurer le nez devant le en stream ou quoi. Quitte un poil. Juste ce que vous avez sur vous. Donc, quitte un poil. Ah, y a... Ah. Ah. Ok, on va aller. Ouais, bah on va aller à la LC, allez. Okay, regarde, d'accord. Ah, je sais pas. Attends, des nouveaux pancartes, c'est quoi? Ah, faut qu'on fasse des nouveaux pancartes, là. On va pas tous rentrer, hein. On est combien, là avec, quelqu'un. On est combien, là? On est beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7. 35. Okay. Faites 3. On a un accident de la route sur Kavala, ouais. Un seul blessé, ce que vous assurez que la CQ a bien reçu aussi le message. 1, 2, 3, 2, 2, 2. Et dans la... vous sortez un camion Mercedes banalisé. J'ai pas plus d'infos, je vous contacte. Et c'est parti. Parce que sur la route de Kavala, Kavala, c'est un peu hasard. 036-131. Depuis quand un colonel est en Spark? Bah tu puisses soir en fait. Bibi, casque. Ah merde. Putain mais t'es putain mais respecte ta putain, virez-le ce mec là putain. Non, j'ai juste de changer justement. Salut Morgane, de... ça va? Très bien. J'ai connu une gonzesse hein, quand j'étais jeune, elle s'appelait Clara. C'est bizarre mais vous faites bien un duo Clara Morgane. C'est rigolo. Non, c'est pas moi. Viens assurer la police. Bah, à chaque fois que je fais une blague, c'est rigolo. T'es tout seul ou t'es avec le ministre? Mais non, il y a le ministre à la prison et je veux qu'il vienne me chercher, mais bon, ils prennent deux plombs. Allez, viens, on t'emmène. Bon, allez. Et tu montes dans ce bar. Attends, moi, pas conduire. Moi, pas beaucoup aimé la conduite. Ah, toi, pas caresser moi, par contre. Hein. Ah ouais, deux abarts avec ça, avec le bambus magique. Il y a Apple qui prend une radio et en boule. J'arrive, j'avais ma radio. Bon, allez, direction la prison. La police a changé. Ouais. Mangbus magique qui passe au milieu des deux abats. Au moins, ça vous fait une couverture. C'est ça. Alors, tu feras...
feras gaffe, t'es le seul Syrah à avoir une... Vous dites que vous m'avez pris en otage, comme ça, ça fait encore plus crédible. Alors si, comme pour Syrah, tu réponds... Tu es notre opérateur radio. Alors attendez, je la configure juste. Non, on prend pas les gens en otage. Nous, on vend des assurances. Oh putain. C'est bon, je vais... Du coup, vous m'emmenez à votre... D'accord. D'ailleurs, tu sais qu'on a eu une plainte de la oil par rapport à ce qu'on avait fait à la fin. Monsieur, ah, oui, il a porté plainte, ouais, pour violence, de torture, physique et morale. Mmh. Parce que son père a été maltraité. La pilée sur la route là. Ah, c'est ce qu'il m'a dit. La prochaine fois que je vois un rebelle dans son entreprise, je la ferme. Sérieux? Ouais, t'as reçu mon couteau que je t'ai envoyé. Ouais. C'est ça mon moyen de pression en fait. D'accord, parce qu'il avait mal interprété en fait. Mode oui, mais je suis contre avec la scorpion, je crois quoi. Ouais, c'est vrai, non? J'ai pas de preuves concrètes. Du coup, elle est en attente avec le magistrat, la plainte, je suppose. Je sais pas, moi. Je suis pas au courant. Voir si c'est moi ou Michel qui s'en occupe. Moi, en tout cas, s'il dépose plainte, c'est simple. Je ferme son entreprise parce qu'il traficote avec des rebelles. Mais... Et j'ai des photos à l'appui. Donc, Ils sont partis la queue entre les jambes quand on avait parlé de fermeture d'entreprise. Ouais. En fait, par contre, c'est qu'ils ont investi plusieurs millions dans le casino. Hein. Ouais, je sais. Ils sont... Le Pavenco, il est investisseur. Ouais, je l'ai mis sur sa tête. Devant. De l'Ugène. Putain, j'ai mal au pif, putain, j'ai besoin. Tu t'es pris le pare-choc d'une italienne, c'est pour ça. Ah, ça se peut, mais... Elles sont solides. Alors, tu vas pas broncher, on va sortir, on va foutre le bordel à la prison. Bon, les gars, on va foutre le bordel vite fait à la prison. On va essayer de voir comment ils s'en sortent. J'ai bien pris, avec grand plaisir. Okay. Alors, on est les cousins de Abdelkarim, je sais pas quoi là, et on veut aller absolument le voir en prison. On veut visite. Ok. Passage mode rebeu activé. Ah bah, pas forcément rebeu, mais manouche ou. Voilà. Tu peux le trouver. Il s'appelle Abdelkarim là. Oh. Ah bah, ah, d'accord. Bon. Ouh, tu passes en drift. On veut voir notre cousin en prison. Non, tu vas tester les nouvelles recrues comme ça. Exactement. À trois nouvelles recrues. Ah ouais? Aujourd'hui là? Ouais, aujourd'hui. Ah bah ça tombe bien. D'ailleurs, vous me laissez faire, on fout le bordel. Il y a des nouvelles recrues à tester. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors faites gaffe, il y a un camion de la LC en plein milieu. Je sais pas si le ministre sera content. Hein. En plein milieu d'eux. Oh. Là, on l'a. Il y a des individus suspects. Indiqué sur carte, individus suspects. Oh là. On a un peu le cas consommé trop de substances illicites, ils voient des camions volés. T'as prendre la drogue chez les policiers, bah dis donc. Ouais, bah bravo. Je vais saisir la police des polices. Ah oh bah tu peux, c'est moi. Je sais. Par contre, ça, t'as reçu par rapport à hier. Non, j'en ai. Tu n'as rien eu? On a eu un document, je l'ai mis sur la radio sécurisée. Ouais, on a Apple en bas de trip. Ah, nous aussi on a un collègue, là il croit que c'est moi qui mets les points sur carte et on conduit. Protégez vos enfants de la drogue. La drogue c'est mal. Les gars, on a un mec de Logia dans la voiture, donc on y va. T'as bien pris. Mais troll, ils font de la merde. Ils veulent s'amuser. Faut les déchaîner les loups un peu des fois. Hein. Ah, tu parles de moi? Adrien, c'est qui lui ou elle? Attends, je vais lui répondre. Il y a de la fumée là.
Y'a pas un, de modo ici? Bah si, y'a Blobs, y'a Dimmers et... Ah, correction, j'ai confondu. C'est tous ceux qui ont un épée vert. Une épée verte. Ah, puis je crois que c'est un nuage. Non mais je sais. Ah mon petit Morgan, tu sais que j'en ai vidé des bouteilles de rhum. L'alcool c'est mal. Bah c'est tellement comme la cigarette. Captain Morgan, ah oh, c'était bon. Qu'est-ce que c'était bon bordel de merde. Oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé. Faites gaffe, il y a des rouges chiches. Du coup, tu me payes combien pour rigoler à tes blagues à chaque fois, Dédé? Je les paye pas. Ils ont pas de choix. Rigoler, alors. Vous arrêtez pas, sinon on est encore là demain. Non, si, surtout que notre van il va pas plus que 160. Que... Ouais, une seule ouais. Condition à tes blagues. Quoi? T'es oui, à tes monsieur de la Sierra à prendre une plainte. Aïe. Toi, ça reste cette merde. Moi, je vais les apprendre à conduire. Oh putain, t'as pas cassé? Non. Non mais je crois qu'on doit tous faire le plein. Et c'est un tank ce truc. T'en penses quoi Dédé? Écoute, tu vois ça avec eux. Je te laisse leur dire qu'ils font de la merde. Eh les gars, y'a l'avocat qui voudrait vous dire que vous faites du boulot de merde. Pardon? Ouais, y'a l'avocat dans ma bagnole, il a envie de vous dire que vous faites du boulot de merde. Je peux dire qu'il a bien raison sur ce coup. Merde, j'ai plus rien à bouffer, putain. J'entends pas ce qu'il a dit. Ouais, il n'entend pas ce qu'il a dit. T'as qu'à les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave, bordel de merde. Ah, super. Non, mais t'as... J'ai entendu barbecue. Fini barbecue. Ils ont cassé les vitres et tout, quoi. Allez, en avant. Un civil que j'ai payé. Le pauvre. Quoique non. Ah non, il s'est fait deux voitures gratos. C'est pour lui ça. Eh les gars, y a pas le l'écusson là. Écusson. Spring. Ah y a l'écusson qui est sorti là. Ah si, y a l'écusson, ça y est. Oui, qu'ils étaient sortis, les écussons. Ah, les émotes. Les émotes. Ouais. Ils vont stresser, ils vont voir trois véhicules arriver. On va dire c'est quoi ça? Prends pas l'entrée principale pour l'entrée au JA. On fait croire que les portes étaient ouvertes. Hein. Ah mais on peut pas les ouvrir nous. C'est quoi le JA? On peut les ouvrir nous les portes de la prison? On peut ouvrir. T'as dit quoi hein? On peut ouvrir les portes de la prison non? Moi je peux. Toi, il y a accès aussi, on avait passé les clés le ministre la dernière fois. On a essayé de miser dans la prison. Elles sont permanentes toi? Moi ouais. Ouais. Ah, jusqu'à qu'elle soit remontée. Mais non, elle est devant, pas là. Là c'est nul, y'a personne, ça a rien. Y'a personne là-bas, l'autre. Allez, à gauche. Venez avec moi les gars, par l'autre porte. Ok, on suit la porte de derrière. La porte de derrière. Ouais, c'est la porte de derrière. C'est toujours la plus agréable. Bonjour messieurs les prisonniers. Nous voulons voir. Attends, pourquoi ouvrir? Nous voulons voir cousin dans la prison, s'il vous plaît. Vas-y. Nous voulons voir cousin prison. Bonjour, s'il vous plaît. Nous voulons voir prison mariage. Nous voulons mariage prison. Bonjour, nous moi curé. Gothique, vous avoir prisonnier gothique, vous avoir mariage.
nous voir, nous venir. Vous êtes magnifique. Et vous mariez tous en propre, c'est ça? Exact. Non, non, nous mariés prisonniers gothiques. Donc nous avoir trouvé avocat sur la route et avoir fermé porte de la voiture. Ah les schtroumpfs, mais oui c'est ça. Oui d'accord. Quelle discrétion. Il est là ou pas? C'est Michel. Ah salut Morgan, je t'avais pas vu. Bah ouais, nous avoir trouvé lui en train de marcher sur la route, nous avoir ramené lui. Hein. Bon, ou prisonnier pour mariage gothique. Alors, venez si tu veux, messieurs. Allez, venez. Nous vouloir marier prisonnier gothique. Libérez Momo. Mariage. Mariage gothique. Je ramène la sirène pour les prisonniers. Toi, être marié? Toi, être marié? Toi, pas rigoler, hein. Oh là là, toi, pas rigoler, toi. Sois sérieux. Oh, très sérieux. Oh, où sont prisonniers? Oh, salam alaikum, mes enfants. Moi, faire sortir toi contre Moni. Bonjour, prisonnier. Moi, être curé gothique. Moi, mariez-vous maintenant. Bonjour, nous mariez. Bonjour, prisonnier. Nous curé gothique. Nous vouloir marier prisonnier à un code pénal. Venez, enfant. Venez, enfant. Moi, vous payez assurance pour vous pas aller prison. Enfant. Il y en a un qui s'enfuit. Fuyard. Oh, bon. S'il vous plaît, les prisonniers. Prisonnier d'Altis, venez devant moi. Comment ça, toi, pas avoir temps? Toi fâché parce que. Moi, casser ta tête. Non, ça, je veux pas, les gars. Non, niet. Par contre, possible de garder les prisonniers en entier. Pas de bonne, rien. Quoi? Bon allez, toi pas voir, lui pas vouloir, nous partir. Toi pas sortir de prison. Toi. Ah bah tant mieux. Oh bah lui fait la gueule. Lui être dégoûté. Oh bah lui il fait la gueule. Lui. Oh il a vraiment mal pris le coup. Alors je ne sais pas. Pourquoi tu l'as et... En fait, pourquoi tu la tatane en fait? Lui pas écouté. Mais oui, mais pas la raison de tatane ça. Je sais pas, il y en a. Bon, oh là, lui pas content. Il a pas notre temps, il a pas voulu, il a pas voulu ça, écouter chef. Ça doit pas être rigolo souvent, ouais. Ils sont pas contents, il y en a quelques-uns, je sais qu'ils sont pas contents d'être venus faire leur panne de prison. Ah. Ah oui, mais à un moment donné, quand on fait des conneries, il faut payer aussi. Ouais. Bon, bah nous, on s'en va. Bon, allez, on continue nos trucs. D'accord. Bon, on voulait faire un petit mariage, voilà, sur la même. Mais, c'est pas possible, à part. Je t'inviterai pour la match de baseball. Ah oui, je veux bien. Je veux bien. Et t'inquiète pas, Tarzan. Je connais mon boulot. Salut, Patoche. Ils veulent pas. Ah si, je sais, j'ai une idée. Est-ce que vous pouvez tous monter dans le véhicule? Comme ça, on va le faire monter devant. Vas-y, Zizi. Faut... Tout ça pour le faire rentrer dans ton... Tout ça pour le faire rentrer dans ton... T'avais le pouvoir. Tant, c'est lequel, le nôtre? C'est pas sûr, mais... Non, c'est juste que tu veux nous faire monter dans ton van de PD. Mais casse-toi de ma voiture, toi. Casse-toi de ma voiture. Dégage. Voiture pas chère. Voiture pas chère. Allez, on s'en va, direction Pierre Gosse. Ça vient après. Ah, y'en a un autre aussi, moi que j'ai tracé là, il est là. Oula. Il est Sharkia. Ouais, c'est l'autre avec sa véhicule de luxe là. Niqué d'après Mel. Je passe dès que vous êtes passé à la première voiture. J'ai pas suivi la conversation là. Regarde, c'est des trucs qu'on, tu sais, qu'on a croisé en cours de route. Ah, j'étais sur l'un principal. En Sierra. De quoi tu parles, quoi? Quelle note? Peut-être mon tour, hein? Tu peux aussi. C'est déjà comment le nom de l'assurance? DD Assurance. D
DD assurance. Okay. Tu payes 300 000 et t'es pas assuré. Ah ouais, nickel. Business, ça change. Ça change tout le temps, ça. Il y a deux secondes, c'était 300 000 un an, puis là 300 000 trois jours, et là 300 000. Business, les gars. Il y a des promos tout le temps. Et du coup, elle couvre quoi? C'est l'agence tout risque? Elle couvre tout. Ah, ok, merci. Tu l'as encore ta photo là? Je sais pas. Tu regardes? C'est vous, tu me l'avais envoyé où celle-là? Sur Discord? Yes. Ouais, elle est importante. Ah. Je vais voir. Tuche. Ok. Si tu veux, tuche la nouille là. Faut me l'envoyer sur Discord. On nous braque à la récolte dehors. Allez, on fonce. Tenue de combat. Non, allez, bon. Allez, fonce. Gauche. Hein? C'est le numéro de Nabil. Ma fille. C'est quoi ça? C'est Nabil Azarov, recherché par le ministre. Ah bah gaz, on attaque. Bien, vous n'avez pas dans le bon sens, pas pour la mine. On prend pas le sud de la mine. C'est bien pris. Non, intelligent, contourné. Donc lui, on le cherche, c'est ça? Ah, même le ministre a promis une belle prime pour le choper. C'est quoi son nom? Nabil Azarov. Bah y'a pas le braqueur là. Regardez la position, elle a mis du message, ça va voir si c'est pas truc de pétrole, c'est... On vous dit si jamais ça part. Y'a pas de position, mais l'appel à la mine d'or c'est autre chose que l'appel de Nabil. Ouais, de toute façon vous restez là au pire comme d'hab. Y'a un type qui parle à la radio là, qui parle avec ses collègues de se placer ou je sais pas quoi. Le mec avec le paiement noir habillé en pump, un peu comme la secte. 212, 102. C'est le même appel. Hein? C'est le même appel? C'est la mine d'or, enfin c'est la mine d'or, c'est exactement où on est. Et je dis, les deux mecs en vert là, ils parlent radio de s'il y a un problème, ils font venir leur gars ou je sais pas quoi. Ah, vas-y, on y va. Ok, bien pris. Allez, on va prendre les mecs en vert. Allez, oui. Bon, parce qu'il y en a un, il y a d'autres collègues. Incroyable, que moi je fais que passer. Pour nous la police? Oh merde, putain. Oh bien. Qui a eu l'idée de foutre un caillou en plein milieu de la... Ah les gars, vous inquiétez pas, il y a les flics sur zone aussi. Parle à qui toi? Je t'ai parlé? Non, mais parle pas, c'est pareil. Oh, tu crois où toi? T'as ce que t'as là? Reçu. Mais comment on utilise ma pioche là? Ok, vous m'en recevez tous? Affi. Bon, alors vous pouvez me topper les deux mecs en vert, ils ont des mecs placés aux alentours, ils font des rebelles. Allez, c'est parti. Ils te visent, Dédé, fais gaffe, y'a un mec dans le viseur. Ouais, je sais, ouais. Allez, faut être ça. T'as ou... Là on remet la cagoule. Bon, d'ailleurs vous me faites un chèque tout autour d'abord. Ah, fais checker. Fais-moi une commande. Police, vous êtes là ou pas? Affirmatif.
Ok, vous faites, vous m'appelez CPH, je veux un check thermique tout autour. Et on topera les deux mecs en vert. Non, moi je bloque son camion. Le mec en vert, il est pas en train de crocheter le tempête ? Si, si. Deux vélites pour des... On se met ? Le mec qui est à côté de moi, tu parles ? Ouais, les deux. Ouais, mets-toi entre les camions, toi. Mets-toi entre les camions tout de suite, là. Pourquoi mets-toi entre les camions tout de suite, je te dis. Discute pas, recule. Recule. Recule, je te dis. Recule. Recule, recule. Recule, je te braque pas, là. C'est pas... T'as pas compris qui... T'as pas compris qui je suis, là, encore, là. Recule. Recule, je te dis. Recule entre les camions. Recule. Bon, les gars, vous surveillez les alentours, vous faites un check thermique. On va procéder au contrôle de l'individu. Allez, c'est parti, tu recules. Moi, tu menaces pas. Recule. 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 Recule entre les deux camions. Monsieur, mettez-vous entre les deux camions tout de suite là. Recule. Recule, je te dis, tu recules. Discute pas, recule. T'as fait le con, tu sais pas parler doucement, c'est pas ton, mon problème ça. Allez, entre les deux camions. Bon. Voilà. Bah, les gars, restez autour, je vous tiens au courant. Hop là, hop. Vous m'enlevez ces moyens de communication tout de suite. Il y a eu tatane, les gars, faites gaffe autour. Il y a eu des menaces à la radio. C'est un tatane. Équipez-vous, les gars, équipez-vous, équipez-vous. Axel, je suis en train de me faire braquer au calme. Et toi, tais-toi, arrête de bouger. Est-ce que je bouge? Non. Allez, vous me chopez l'autre avec le... Tu bouges pas, je te dis. Mais non, c'est celui qui est à côté de lui. Ok, vous, vous me notez tranquillement celui qui est à côté. Faites gaffe, il y a des mecs autour. Hein. Okay. J'essaie de vous cover. Arrête de bouger, t'arrêtes de bouger. Et d'où tu parles, toi? Tu parles d'à qui, toi, comme ça, là? Tu parles à qui? Ils sont où, les autres, là? Parle tout de suite, là. Parle tout de suite. Ils sont où, les autres? Ils sont où, les autres? Allez, vous prenez la radio, les gars, vous prenez les moyens de com. Voilà, et vous écoutez. J'ai sa radio. Déposé par terre. Il y a personne qui la prend. Je l'ai pris, mais il y a personne qui parle en fait. Ah bah, c'est pas grave, tu la gardes. Les mecs, ils font les malins, bah, vous les embarquez. Menace, allez. Le vélite pour les. De DD, vous rapprochez un véhicule, s'il vous plaît. Et tout. Le van, on arrive. Un véhicule police et le van. C'est bon, tu le ramènes. Il est là. J'essaie de les bait. RS6 en dérange. Embarquez dans les RS6 vite. Allez, vous embarquez les RS6 et on se casse. Alors, pour information, le mec il est dans la radio, il y a du monde, il y a des menaces qui sont faites pour tuer ou abattre des gens. Ok ? Il n'y a plus de GPS, le gars. Bon, si, on l'emmène. Allez, on dégage. Ouais, vous ramenez tout au fort et vous enlevez le GPS au deuxième. Non, c'est bon, il y a quelqu'un qui est prêt. Il est proche. Non. Allez, on bouge. Allez, c'est la direction fort. C'est quoi leur jeu à eux là? Dans le coin. Ah ouais, ok. Vous me faites une commande longue pour vous appeler CPA pour me faire un check thermique, s'il vous plaît. Oh putain. Deux vélites pour CPA lit. Là ou là-bas. De Viper Lead pour CPL. Transmettez. Nous aurions besoin de vos services sur la zone de la mine d'or pour nous faire une check thermique sur toute la zone. Bon, allez gaz, on se casse. C'est Viper Lead que vous avez appelé là. Hein. C'est quoi son jeu à lui là? Ouais, vous, selon mort, vous me le visez. Autant pour jeu. J'ai pas compris ce qu'il disait lui. Ah, c'est du légal. Bah, c'est ça en fait. Bon.
Bah, ou, alors, ou alors ils sont payés par la LTO. Tuche, qu'est-ce qu'il veut, Tuche? Désolé, j'étais pas... j'ai pas vu. Ce qu'il fait, c'est qu'il y a... Tu penses que je pourrais intégrer Syrah, sachant que j'étais pas... Haha, les gars, on verra ça, ouais. Tu vois ça avec Stivers, c'est du patron. Oh bah tiens, il est là, il est là, il est là. C'est lui? Bon. Salut Jean-Claude. Ça va ou quoi? Bah oui, ça va, ça va, ça va. T'as cassé ou quoi? Bah ouais, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu, tu te balades où? Ça va bien la Syrah? Pourquoi la Syrah? Syrah, Syrah, es-tu là? Tu veux que je t'embarque tout de suite ou... Bah tu peux m'embarquer. Et pourquoi mais pas? Pour quel motif, je sais pas. Bah parce que t'es en train de me dire que je suis des... que je suis quelque chose que je ne suis pas. Qu'est-ce que t'en sais? C'est marqué sur ma voiture, c'est marqué sur mon uniforme, c'est marqué quelque chose? Non mais c'est sur mon marqué costard. Sur ta tronche, c'est marqué sur vos tronches les gars. Arrêtez un peu de nous prendre pour des cons. Mais bah, c'est toi le con en fait. C'est ça que t'as pas compris en fait. C'est non, toi non, l'idiot non, en non. fait. Si si c'est toi l'idiot en fait. Ouais non, on se casse, non. Il m'intéresse pas ce mec là. Allez, du balai. Quoi? Sûr là. Allez hop, toi tu viens avec moi. T'as pas compris toi. Tu veux jouer le malin avec moi toi? Pas de problème. On va faire le malin ensemble. Mais mec, d'où tu me parles comme ça toi? T'es fou toi ou quoi? T'as cru qu'on était tes potes ou quoi? Hein? Allez, on embarque aussi celui-là. Putain, ça déconne. T'as vraiment cru que t'étais mon copain en fait? Oh, et toi je te parle. T'as cru que t'étais mon pote ou quoi? Eh, tu me parles pas comme ça, toi. T'es qui, toi, pour parler comme ça, toi? T'es tout seul? Tu fais le malin, toi. Toi, t'es tout seul et tu fais le malin, toi. Mais d'où tu fais le... Mais pourquoi tu fais le malin? T'es tout seul, t'as deux mecs avec des gros pétards sur toi et tu fais le malin, toi. Et en plus, tu siffles et tu me prends pour un chien et tu me dis dégage. Mais t'es fou, toi, ou quoi, au fait? T'as vu ça dans quel film, toi? Mais t'as... Non mais arrête, arrête de me dire que t'as rien fait. T'es là, t'es... Hop hop hop, dégage. Non mais t'as cru que t'es... J'étais toté quel? Mais du balai de quoi? T'es qui pour me dire du balai, toi? T'es qui pour me dire du balai, toi? Retour à l'envoyeur. Eh bah exactement, retour à l'envoyeur. Donc tu vas faire un petit séjour, ça va te faire du bien. Bah ta voiture elle est là. Non mais sans déconner. Psst, on vous laisse les autres ou pas? Ouais ouais, c'est bon, lui aussi. Et mon lieutenant, quand un civil vous siffle et vous fait eh hop allez dégage du balai, tu fais quoi toi? C'est encore France Indus. Moi j'y mettrai une claque après. Attends, c'est encore France Indus, voilà. on vient de le libérer. Ah ouais, pourquoi? Pour Darwin, et en plus tu te permets en plus d'être effronté en plus de ça? Non mais tu crois tu t'es... c'est quoi son nom à lui? François Duch. Eh Duch, t'as vraiment rien compris en fait toi. Mais t'as rien compris en fait, tu sors d'ici, les armes illégales, t'as déjà un procès au cul, et en plus tu te permets de siffler. Mais j'ai pas d'armes sur moi monsieur, j'ai pas mais d'armes, c'est... J'ai pas mais d'armes, putain, j'ai rien sur moi. Allez vous lui faites la leçon de morale les gars, vous lui mettez une petite baffe de mais temps vous en temps, ici, et vous... Et vous... Mais parce que t'ouvres trop ta bouche encore, t'as pas compris encore. Tu sors d'ici avec des armes illégales, et tu me chopes devant, mais tu me siffles et tu me dis du balai. Tais-toi. T'es rien, t'es personne. Allez, vous lui faites une leçon de morale et vous lui expliquez la vie comment elle fonctionne. Putain, sans déconner. Même pas. Le monsieur avec la cagoule en noir. Ah. Et putain. Lui que vous venez de tatane. Vous avez envoyé quelque chose sur votre téléphone. Regardez. C'est comme ça qu'on l'a chopé, nous. Si ça vous intéresse. Ouais, merci, ouais. Oh, je crois que c'est mec. Hein. Bah vas-y, attends, t'inquiète, on va faire une séance photo. Vas-y, vas-y. Voir les guignols là, contre le mur là, s'il vous plaît. Allez hop, là.
toi aussi là. Bon, et les comédiens des rebelles avec la radio là. Coucou, c'est moi. Vas-y, garde le mec en noir au viseur, etc. Vous avez cru que vous étiez où là? En Afghanistan ou quoi? Garde le mec en viseur, je suis curieux de savoir à quel moment j'ai dit ça. Ah bah, pff, non, c'est, moi. C'est moi, c'est moi. Ah bah voilà. Pourquoi vous jouez un sketch dans un film de Spielberg? Parce qu'il y en a un qui est arrivé, qui a commencé à nous braquer, à demander les clés du camion. Alors maintenant, ah bah voilà. Je vais me défendre aussi. Alors, écoute-moi, écoute-moi, fiston. C'est toi qui as envoyé un message à la police? Non, c'est moi, collègue. Ça. Ah bah voilà, bah c'est moi qui réponds, en fait. Toi, on est de la police, en fait. Ah, d'accord. Et ouais, et je suis venu à côté de toi, et donc tu penses bien que moi, je cherche des braqueurs. Et là, j'ai un mec qui est là, à la radio. Ouais, salut, vas-y, garde le mec en noir dans le viseur et tout. Alors, qu'est-ce que tu crois que moi, je pense, en fait? Hein? C'est ce que vous voulez. Bah, je pense que c'est toi le braqueur, en fait. Eh bah, est-ce que vous avez trouvé une arme illégale sur moi ou quoi? Bah non, mais, bon, bah, mais t'es en train... Vous avez oh putain, mais lui, il est pareil lui. Hein. Ils comprennent quelque chose des gens dans cette putain d'île là? Ils comprennent quelque chose ou c'est moi qui comprends rien? Expliquez-moi les gars là. Est-ce que c'est moi qui comprends quelque chose ou c'est eux qui comprennent rien? Ah non, ils comprennent rien. Il a parlé de tirer, de viser, bon. D'abattre. Hein. Voilà. Et après, nous, on arrive, on reçoit un message téléphonique de, si j'ai bien compris, monsieur à gauche. D'accord, qui nous dit, on se fait braquer à la mine d'or. On arrive, et là, je me mets à côté d'un mec, en treillis, qui me dit, garde le mec en noir dans le viseur, et tu pourras l'abattre si ça part en couille. Tout va bien. Bien et là, t'es en train de me dire que c'est... Bah, c'est... Oui, ah, la dissuasion. Bon, ils étaient habillés comment? Bah, comme vous, justement. Comme vous et comme votre collègue à droite. Ouais. Exactement pareil. Il y en a un qui est arrivé, qui a demandé les clés du typhon direct. Donc, non. Ils avaient quoi comme bagnole? Ils avaient une abarque noire et après, il y en avait un en camion de la Gold. Ok. Allez, libérez-les, les gars. J'espère que ça vous fera une bonne leçon de morale, là. Ce qui s'est passé. Une leçon à prendre. Arrêtez de les mettre. Huile. Non, je... si, je vous le donne. Et on les ramène. Allez, c'est parti. Oh là là. Donc, en fait, on a perdu la trace des braqueurs parce que vous avez fait les acteurs de films hollywoodiens. Voilà. En fait, ça super. Les a dissuadés, eux, mais vous êtes arrivés avec la même tenue, ça n'a pas marché sur vous, du coup, forcément. Bah, forcément. Oh là là, c'est pas possible. Et après, on me le reproche, quoi. Bon, lui, vous me le foutez dans un cachot, là, et qu'il apprenne la ville. Mais pour quel motif? Pour motif que la prochaine fois, tu réfléchis avant de parler. Bon, allez, salut. Non, c'est pas ce qu'il fallait. Ouais, si, laisse-le dans ma bagnole, Il va rouler avec nous un peu. Bon, Tuche. Bon, tout à l'heure. Hey, Tuche. Oui, monsieur. T'as cru que ça allait se passer comment? Test. De la façon qu'on te parle. Attends, reviens. Ils ont réussi à trouver des appartements. Maxime, la probabilité qu'il vous avez ramené les camions, hein? En fait, les mecs, c'est eux qui ont envoyé des messages, ils se sont fait braquer par des mecs. Il y a une couille dans le pâté. Ouais. C'est sûr que c'est pas une connerie qu'ils ont inventé. En fait, c'est eux qui ont envoyé un message, en fait. Et les mecs, ils sont en abarque noire et en camion de la... On a pris leur numéro de téléphone, on va savoir si ça correspondait. Négatif, faites-le. Vous avez le droit de... Ils sont dans un camion de la... D'avoir un casier, faut que je sors les noms, on va dans le casier, dans le camion, ils vont partir. Je suis content. Ouais, c'est déjà fait, donc oui, ça vient bien. Ouais, c'est pour vous protéger des... Moi, je l'ai dit à tout le monde, je suis content. Ouais, on s'en va. Je veux plus rien. J'en ai marre. Bon, Duche, là. Hey, monsieur. Pourquoi tu parles mal comme ça? Apparemment, les mecs font partie de la secte. Bah, je me mets en fait à votre... L'ancienne secte. Tu mets quoi? À votre niveau. Ah, ok. Oh putain. Allez, direction la prison. Bah pourquoi j'ai rien dit de mal? On va déposer Tuche directement en prison, ça va être plus simple. Bah je suis pas... il s'est présenté en tant que tel ou pas? Quoi? Réellement. On va déposer Tuche directement en prison. Est-ce qu'il s'est présenté en tant que tel? Ah putain, j'ai cru que t'avais dit Tuche, pardon. On va regarder des Tuche en prison. Vous l'avez compliqué après? C'est moi qui ai cru qu'il allait m'amener en prison. J'ai percuté personne. Mais j'ai été accidenté dans le bord de la route. Il est compliqué lui. Au niveau du cerveau. Comprendre. Bah non. Non, vraiment pas. En fait, ce qu'on vous explique, en premier lieu, on essaie de vous prévenir de ne pas faire le malin devant des hommes armés. Ça pourrait être la police ou qui que ce soit d'autre.
vous rigolez ouvertement et vous foutez de la gueule ouvertement de ces gens-là. Et là, je pense que c'est la police. Ça aurait été des rebelles, ils vous auraient fusillé peut-être. Et arrête, on te repère à 10 000 km, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Bah là, tu vas aller directement en taule, comme ça on n'est pas pris pour des cons. Non. Et on va même alourdir ta peine parce que je vais demander au ministre que tu prennes perpète. Qui puisait quand on sort du fort, tu disais mal parlé. Donc c'est pas acceptable et là, souvent, c'est un outrage sur agent. Bah là, j'ai pas mal parlé, hein, vraiment pas. Après. Je mets votre niveau, je sais pas trop quoi. Si on ne peut rien dire, je préfère clore la discussion et. Non, mais c'est pas ça. En fait, Duche, t'as pas compris en fait. En fait, bah, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Si, bah, expliquez-moi en fait. Tu sors déjà de la BA, d'accord ? Ou du fort, je sais pas où t'étais. Armé jusqu'aux dents. Les collègues t'ont traité. Tu sors, tu croises deux mecs en civil. Ah, ça va la Sierra ? Ok, déjà, où c'est marqué Sierra déjà ? Bon, ok, tu le reconnais, je veux bien. Et là, tu fais le malin. Mais je suis un rebelle, tu fais le malin. Mais je peux faire le malin. Je t'explose ? Bah si, tu sors du fort déjà avec équipement illégal. Mais j'ai plus d'équipement sur moi. Oh putain, mais il est con lui. Hein. Non mais sans là, déconner. Rassure-moi, c'est moi ou c'est lui ? Non mais rassurez-moi là. Lui. Ah oui, merci. Ah parce que là. Vous avez raison, alors. Bah oui, j'ai raison, hein, parce que là, vous me posez des fois des questions. À un moment donné, faut... Ouais, c'est ça en fait. C'est ça que t'as pas compris en fait. Donc en fait, tu préfères que je te bute quelque part discrètement pour pas que je suis sûr que tu me reconnais la prochaine fois ? C'est ça que tu veux ? Non, pas vraiment, non. Ah bon, je te prends. Ouais, bon. Mais je vais te donner un exemple. Mais l'exemple, il est là déjà. Tu me reconnais ? C'est bien. Comment ça se fait que tu me reconnais déjà, toi ? J'ai une cagoule, j'ai une voiture qui n'a rien à voir, qui n'a rien marqué dessus. J'ai un costard où il n'y a rien marqué dessus. Et tu m'appelles Sierra. D'où tu m'as reconnu ? Vas-y, explique-moi. En fait, votre procédé, en fait, vos méthodes d'approche sont souvent identiques. Bien. Ok. Souvent, vous nous approchez de manière très brute, on va dire. Ah oui, écoute, parce que les rappels, ils te racontent une histoire avant ? Comment ça se passe ? Bah, faudrait peut-être faire un vide ma vie, en fait, pour voir. Ouais, bah, vide ma vie, ouais. Sors de la voiture, les mains sur la tête, ouais. Sors de la voiture, les mains sur la tête. Ah, j'arrive. Je sais pas, il a tout jeté sur la terre. Non mais reste dans la voiture, tu fais quoi toi ? Rentre dans la voiture toi, reviens là, je t'ai demandé de sortir. Oh mais putain, il est grave, viens. Bon, monsieur le ministre, je vous présente Jeff Tuche. Non, Jean-François Tuche. D'accord ? Ce monsieur sort du fort avec traité par la police. Armement illégal, équipement illégal. Je pense qu'il a déjà un bon casier judiciaire, à mon avis. Donc, monsieur sort du fort, casse sa voiture sur un poteau électrique. J'arrive. Et là, vous savez ce qu'il me dit ? Ouais, ça va la Sierra ? Je dis ok. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'en sais que je suis la Sierra ? Non, mais c'est bon, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Allez, hop, oust, du balai. Dégage, hop, du balai. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais avec pas lui, grand là ? Pas grand-chose, quoi. Sur le point de vue pénal, pas grand-chose. Pas grand-chose, malheureusement, sur le point de vue pénal. Moi, j'ai une idée, hein. Parce que c'est tout ce qu'il mérite, hein. Bon, allez, je m'en vais. Les studios sont loués, hein. Ah, merde. Moi, je dirais... Bah, nous, on part de là, on va... Nous, lui, on part en convoi. Fut, hein. Ah ouais, partons en convoi. Allez, ouais, ça va. On doit vider les stocks, ouais, tout ça. Hein. Ah ouais. Ah oui, ça, vous là, avez du boulot, on là. On est plein sur les stocks, là. Ah ouais, ouais, je vois, ouais. Vraiment, je pourrais pas. Ah ouais, je vois, ouais. Bah, tu vois, tu prends trop de place, Duche. Duche. Plus d'avoir en fait, bah, moi, j'ai rien fait, je suis tombé là au mauvais moment. J'ai l'impression. Ah ouais. Moment, t'as la bouche, allez, on va s'occuper de lui. Allez, on s'en va. Bon, moi, je vais regarder une petite vidéo, là, à l'arrière du van, si ça te dérange pas. Ouais, au revoir, monsieur le ministre. Désolé du dérangement. Tuche, qu'est-ce que je vais faire de toi, là ? Bah, vous me relâchez à Tira et c'est fini, quoi. Bah, bien sûr. Ou au garage à côté, je sais pas, non ? Ouais. Allez, j'ai entouré la zone, les gars. Direction la zone entourée.
tuche. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bah, je vous ai déjà dit. Ouais, mais là, mais... tu compromets nos identités. Mais... tu comprends pas. En fait, tu comprends rien, en fait. Bah, je connais pas vos identités. Je connais votre groupe, mais pas vos identités. Bon, tu sais ce que je vais faire, Duche, hein? Tu sais ce que je vais faire, Duche, là? Tu me fatigues, en fait. Pourquoi? Que faire une lobotomie? Bah, tu me fatigues. Moi, je te le dis, tu me fatigues, en fait. La prochaine fois que je te recroise et que tu m'appelles Syrah, même si c'est pas moi, crois-moi, ça va mal se passer parce que je vais passer un petit message à tous mes potes sur l'île. À chaque fois que tu ouvres ta bouche, bêtement, comme ça, bah, tu te prendras une cartouche dans un membre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois, ouais. Voilà. Allez, arrête-toi, voilà. Ici, là, très bien. Mets-toi dans la cour intérieure. Parce que sans déconner, il y en a vraiment en ras-le-bol des mecs comme ça. Comportement que je veux plus voir. Ouais, je comprends pas ce que j'ai fait en fait. Bah, ouais, c'est ça le problème, c'est que tu comprends pas en fait. Bah, c'est. Ouais, mais c'est. On en rediscutera plus tard. Pas, un jour, on en rediscutera. Arrête de bouger, viens là. Bonne table de ping-pong. Allez, couche-toi par terre. Couche-toi par terre. Allez, hop, j'enlève toutes les caméras, les micros, les enregistrements audio, vidéo, sonore, je sais pas tout ce que tu peux avoir. Hop, putain. On va. On t'y... de métaux. Ouais, vas-y, ouais. Attends, détecteur de métaux. Hop. Là, il y en a un là, attends, il y a un truc. Voilà, au cul de son sac, hop, on le prend, voilà. Voilà, nickel, c'est bon. Voilà, on va faire comme si de rien ne s'était passé, mon petit Duche, d'accord. Et j'espère qu'un jour, tu tomberas sur des mecs à qui tu vas te tromper, tu vas les appeler Syrah, qui vont t'exploser la cervelle. A bientôt, Duche. Voilà. Alors ça, pour info, les gars, c'est nul à chier. Duche, là, il a rien compris, en fait. Il a des civils. C'est déjà arrivé, ça, qu'un mec se fasse choper et qu'ils disent que c'était là. Et que c'était pas eux, en fait. Ah, ben, c'est ça. C'est un de nos indiques, le Zipik, là, je sais pas quoi. Il est arrivé, il a dit, ouais, salut la Syrah. Il a commencé à donner des informations. Et puis, bah, il savait même pas que c'était pas la Syrah. Il a vu après. Syrah, dis merci. Là, il fera la bite. Transmets-nous avec ton four. Transmettez. Allez, faire un tour à la LCO là, pour voir le message. C'est reçu. Il nous demande d'aller faire un tour à la LCO. Ah, fief. Demandez devant la LCO qui menace. Des bras de cure apparemment à l'LCO. Voilà. Exactement, nul à chier. RP nul. On s'équipe en assureur. Oui. Ouais, Didier, t'as des gros. C'est quoi? Ah, j'ai pas sûr, on a peut-être un. Vous avez pas de coma? Ah, on est très très mal. Enfin, moi personnellement. Hein? Besoin d'aide ou pas sur vous? J'aimerais bien avoir quelques petits. Oui, c'est passé quoi avec le type? Comment ça va en fait? Ouais, ça va nickel. Qu'est-ce qui s'est passé avec le type? En fait, le type, il est tout seul, il nous casse, nous on arrive, on est en civil, full civil, avec les abarthes, des véhicules civils que nous on n'a pas. Full civil, full costard, et le mec, salut la Syrah, ça va ou quoi? Attends. Comment tu sais que c'est la Syrah? Et le mec, il me dit, allez hop, dégage, allez, house du balai. Le mec, il est tout seul en fait. Je suis un rebelle, le mec, je le chope, je le torture, je prends son pognon, et je le bute en fait. Et le mec il fait le malin, voilà, il est où le problème? En fait le mec a tout mélangé. HRP, méta, et je sais pas. Après c'est peut-être quelqu'un du stream, hein, j'espère pas. Parce que les gars, vous me connaissez un petit peu maintenant, à force de me regarder, j'espère que c'est pas quelqu'un du live. Parce que là, et en plus le mec il me dit, je comprends pas. Voilà, c'est bon, t'as plus que la jambe là. Vas-y. Il lui faut du sang par contre, non? Les gens. Pas du sang, j'en ai. Hein.
Ah bon, je te mets de la saline. Ah nickel, t'en as. Enlevez les garrots. Ouais, nickel. Hop, on est parti. Enlève tout. Mets-toi tout nu. C'est bon, vous avez tous fini de bander. Non, moi je bande. Ah, Dédé, je sais pas, on est de plus en plus cramé. Hein. Deux. Comment dire, déjà la RS6, on peut plus la prendre. Bah, ouais. Et il faudrait, tu sais, bah, comme ils font les bandes, les rebelles, avoir des tenues uniques, tu sais. Entre guillemets, qu'on fasse genre groupe, prendre comparatif. Ouais. S'habiller tous en blood, si tu veux, et créer une nouvelle blood. Ah, on les a pas les tenues. Non, 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 chemise rouge. Allez, les gars, on se dépêche, les gars, s'il vous plaît. Désolé, notre VN il va pas plus vite. Ah, oui, non, mais d'accord. Un Tao à la LC. Merci. Faites-moi une com longue à toutes les unités disponibles direction la LCO là. C'est la Legendary Collection apparemment. Ah, oui. Allez, gaz, on fonce. Je fais la com quand même du coup pour la Legendary. Ah bah oui. De Sierra à toutes les unités. Toutes les unités sont demandées sur la zone de Legendary Collection. Ouais. Pour Vapeur, on est en convoi des OGR. On doit vraiment lâcher les OGR. Ah bah oui, menace des civils, il y a des civils en danger là. Là, il y a des dangers, il y a des civils en danger. On est en convoi des marshals, on doit lâcher les marshals. Pour l'instant, vous restez sur les marshals, c'est bon, il y a que deux bandits pour l'instant. Deux Cobra, on va sur zone. Bah, tendu non. Pas tendu. C'est juste illogique en fait. C'est bon, bon. Samy, comment on est? Vous restez comme ça et vous y allez. Ouais, c'est parti. Oh putain. T'as le coup de main. Ouais, t'as vu un peu. Non, c'est pas tendu, c'est juste illogique en fait. Avance avec mon van avant. Je peux pas aller plus vite. Toutes les unités les plus proches là. Bonne question. Cobra. Ok, Cobra sur place. Nafi, on fait quoi, on reste sur la LCE ou on va sur... Non mais c'est la LCE en fait, il s'est trompé Jackson, c'est LCE. Mais tu me racontes quoi, Jeff, là? C'est là-bas qu'il y a des bandits qui menacent. Ouais, justement, mais il y a eu 342 messages, là, et j'ai pas... Bah, t'as pas compris. En fait, c'est la LC qui a un problème avec deux bandits. Ah, fi, justement, mais moi, au début, j'ai compris que c'était la LCO. Pour ça. Oui. Pour les unités, repère 2 comme face Canada. Dans ta voiture. Oui. C'est Artium dans ma voiture. Enfin, dans la voiture qu'on a en pratique. La prochaine fois, on demande des Tesla là-bas. Bah, ouais, mais on peut plus sortir de bagnole maintenant, on est grillé. Donc... Nous avons perdu un follower. Tant pis. Attention quand vous arrivez sur zone. Gros barrage. Barrage de qui? De quoi? Il y a un gros barrage devant là. Et il y a une moto qui vient de prendre la fuite en plus vers. Vers vous là, il y a la moto qui vient de passer le barrage. C'est quoi le barrage? Barrage de police. On s'en fout, on est sur une PO les gars là. Affi, mais juste te le mange pas.
Ah d'accord. Putain, je comprends pas les gars, compliqué à vous suivre des fois. Oui. Ah ok, je voulais te demander de lui passer le bonjour, mais je ne pense pas que ce soit possible de Yann Fertini. Si, c'est possible. Le bonjour de Yann Fertini. Je vais. Ah bah bonjour à lui, je m'entends. Merci. Allez les gars, on fonce à la LC, nous, on traîne pas ici, on s'en bat les couilles du barrage. Si, on a avancé, on a avancé. De ah ouais. Ça doit être ça, Manu. Ça doit être Duche qui a des follow. Peut-être, ça se peut. Non, mais il comprend rien. C'est pas de ma faute. Mais tu sais que ça arrive tous les jours, ça. Hein. Mais moi, je suis fou avec ça. Une logique. Ouais, logique. Il y a une certaine notoriété, si, hein, c'est le problème. Bah, on est super connus, ouais, c'est ça. Moi je pète un peu. On va voir, attends. Info à la LC là ? C'est là, attends. Info ? C'est peut-être canal 1 en fait. Allez, par moi là. Info, on décroche, on va sur le convoi. Il se passe quoi en fait ? Alors je vais t'expliquer, du coup on a un Tao qui est parti en fuite. Quand on est arrivé sur zone, il y avait un civil menotté. Le civil a dit que c'était des bandits armés dans le Tao, qui c'était eux qui l'avaient menotté. Du coup on a arrêté le Tao, ils disent que c'est pas eux, ils veulent pas mettre les mains sur eux. Ah, bah tu les embarques. Un film et du coup on discute et ils refusent de mettre les mains sur eux. Puis c'était eux les messages, hein, tous les messages qu'on a reçus. Oui, ça arrête. Qui conduit, qui conduit, nous on monte derrière. Non monsieur non. Mais je veux pas laisser mon véhicule ici. Non. Non, vous donnez clé à mon collègue, on va rouler jusqu'à LC ensemble directement. Oulala, ça vous allez monter avec nous. Vas-y, on y va, parce que ça va m'énerver. Oh, moi je suis le grand schtroumpf. Et tu me parles comment toi? Moi je suis en Angleterre. Ah bah ça va, vu ta coiffure ça m'étonne pas. Oui, braquez-moi. Venez. Quoi? Ouais, lui braqué, eux braqués, LC, eux demandés otage avec H, nous avoir tout vu. Ah voilà, H. Ah bah alors, moi on a la tête. Alors là, du mytho, mais. Venez, montez avec moi. Ah, ça mytho de ouf, ça mytho de ouf. Montez dans le véhicule. Tais-toi. Mais donnez les clés à mon collègue là. Ah, c'est bon, monte, t'inquiète, monte. T'as donné les clés à mon collègue ou pas? Ah non, j'ai pas donné. Pour retourner à LC, acheter véhicule. Allez, nous on retourne à la LC. Sur un véhicule. On a le civil dans le véhicule, il va porter moi. Bah écoute, viens avec nous jusqu'à la. Ah bah vous avez le civil? Vous avez le civil? Ouais, on a le civil, on va à la BA, non? Ah bah direction la BA. Ouais, direction BA, ça vient d'interrogatoire. Vous faites une confrontation. Et on a des témoins de la sécurité civile aussi. Dès qu'on arrive, on fouille le véhicule ou pas? Ouais. Oui. C'est une tentative d'otage quand même, les gars. Ouais, c'est reçu. Bah, bon, les coups, on va repasser Canal 3, hein, comme ça on va être prêt. Oh, on va reconnaître le véhicule. Oh, il y a du monde, les gars, dans le bureau là-haut. La voiture elle prend une demi-place. D'accord, parce que moi, comme je t'ai dit, moi si j'achète en gros, c'est là que je vais faire le geste. Chut. Des cailloux. Des gueules. Ouais. Mais bon, le truc de la formule, ça ne fait pas trop, si tu vois. Allez. T'as 4 francs. Ta gueule. Bon, monsieur. Toujours aussi agréable, hein, c'est... Ouais. Non, il a fait.
ait ça. Ah, putain, j'aimerais bien qu'on ait ça. Ce serait stylé si on avait ça chez nous. Ah, doucement, pas chapeau. Attends, mais je le reconnais lui, c'est qui lui? Vous venez des voix, les j'entends des voix là qui. Pas de bizarre. On a quelqu'un c'est que vous venez voir. C'est-à-dire. Ah, y'a quelqu'un de mort. Ah ouais, t'avais même pas vu. Ouais, on voit leur père, non, même pas. Oui, j'en ai plein. Après, Bernie, je pense qu'on peut s'entendre sur un point, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, je fais des remises à 10%. Ouais, et mon entreprise peut se charger de te ramener un petit camion de savon, tu vois. Là, pour mes véhicules, non, pour les véhicules d'entreprise. Ouais, mais bon, savon de qualité. Oui, mais moi, je suis pas. Ouais, mais bon, c'est. Je peux t'apporter une cargaison de savon. Assurance pas cher. Quoi, assurance de merde. Je ne savais pas déjà que. Eh, t'as un gros réseau, Bernie. T'as un gros réseau. Je sais que tu pourras les écrouler, ce savon. Meilleure assurance. T'as venir. Oh, mais ça. Après, comme je t'ai dit, moi le savon, je l'exporte. C'est pour d'autres îles. Oui. C'est où l'arnaqueur, voilà. Pas bah, si mon savon sera plaisant sur cette île, parce que bon, du savon de qualité, quand même. Voilà, bonsoir, mademoiselle. Nous, on va marcher sur. Ça va être plutôt dans l'exportation qu'on va faire. On va l'exporter, ce savon. Du tout, la donc après, bon, si on a des clients en Abyssinie, ouais, il peut y avoir des cargaisons de savon, mais après. On proposer l'assurance pour et ça va beaucoup être exporté sur des îles. Cobra Lead, Viper Lead. Les îles voisines. Écoutez, je repasserai si un jour vous êtes le catalogue. Les bonnes armes. Du nouveau, quoi. Avec plaisir. Cobra Lead de Viper Lead. Oui, aussi. À l'écoute de Cobra Lead. Pour t'informer qu'on va sûrement passer sur ta position là avec un convoi. C'est reçu, on a un barrage, on va ouvrir les barrières. On devrait arriver d'ici 1 minute 30. C'est reçu. En plus, ils sont teubés, putain, on aura tout vu dans ce pays. C'est ça, la pédale, vous voulez dire? Ouais, regardez par terre. Vous utilisez pied pour freiner avec la voiture? Oh, con. Tom utilise ses pieds. Pour freiner. Ah oui, oui. Ils ont la TM, c'est vrai. Écoutez, je sais pas, le monsieur Cordias qui a acheté ce point de vue. Remises, ça va être pour le PDG, pour le PDG. Après, ah, moi, je m'arrange avec mes employés. Non, c'est pas vrai. Non, vous bouchez. Après, voilà. Si on a besoin de véhicules, c'est surtout mon frère et moi qui viendront. D'accord. Bah, lui, m'a acheté un très beau véhicule. Mais si tu préfères, moi, je préfère en discuter, tu vois, tranquillement dans mes bureaux parce que bon, j'aime pas trop les gens qui sont autour, à l'écoute, là, tu vois. Non, mais je me permettrai pas. Même si c'est du savon, c'est de la qualité. J'aime pas parler de mes produits comme ça. Il peut être ravissant d'âme, lui être gros. Voilà, tu vois, j'aime pas trop les gens qui écoutent. Si veux-tu avoir ma formule ou quoi. Oui, mais c'est même. D'ailleurs, c'est bizarre, tout à l'heure, il était garé parfaitement. Voilà, donc. Écoute, ce qu'on va faire, Bernie, tu vas me donner ton numéro. Mes collègues sont un peu fort. D'accord, très bien, merci. Il a pas l'air de. Donc, ce que je ferai, Bernie, je te contacterai. Ok. Mais avant tout, comme il a été condamné au passage, je vais te prendre des 10 véhicules. Il a disparu. Non, mais je vais te prendre un nom parce que j'ai un orbite. C'est moi ? Non, mais attends. Voilà, monsieur Despapé. Joule Despapé. J'ai peur. Tu peux m'appeler Despapé, ça me fait plaisir. Valide pour Cobra Lead. C'est à Tira. Allez-y directement. Le véhicule il est fermé comme ça. Allez, tu me diras du coup combien je te dois pour les 10 véhicules là et. En fait, là, je suis en train d'écouter ce qu'il se fait en fait. Quoi là, elle a l'air totalement dans les vapes. D'accord, je vais retirer ça. Bien, hein. Ouais, mais attends, je retire déjà. Il vous fait une facture de monsieur du garage. J'arrive. Après, la sécurité est quand même debout. Pas mal. Hein. Oh, j'ai tous dessus. Allô, monsieur, on est là.
Allez. Plus il prend une place de parking, hein. Putain, il est garé sur quoi, ce bordel, ton stylo qui a le problème. Pas les couilles. Hein. C'est un... ah, je... bah, lui aussi, il est un peu garé. Voilà, les gens. Bon, hein. T'as sans vu les fleurs, là. Qui s'est garé, là, à côté. Lui, là. Il est garé comme un... Mais j'aime bien les plans, j'aime bien. C'est bien, on va être au-dessus du couvre, elle, c'est ouf. Ah, mais j'attends, j'attends, là. Allez. Là, là. Non, pas toi, celle-là. Ok. Ah, la fille. Ah. Je vais en mettre. On l'embarque, non ? Qui ? Qui ? Mathias, le ministre, il le recherche. Qui ? Hein ? Ah ouais ? Qui ? Eh, mais il bouge pas depuis 20 ans. Qui ça ? Mais... voilà. Le gars, il est recherché par le ministre. Ah, il a demandé direct qu'il va se repos. De toute façon, dès que t'as mal à la tête, tu mets une petite envoie le message. Envoie le message. Qu'est-ce que j'ai ? Envoie le message au ministre pour savoir s'il est toujours recherché. Bon. John, tuche. Voilà un truc, je regarde un truc là. Voilà, regarde, ah ouais. C'est ce que j'allais te dire. Quoi, le monsieur tout nu là-bas? Prends-moi l'identité. Bizarre dans votre société, tout nu. Bah écoutez, je... j'ai vu un monsieur tout nu passer. Bizarre. T'as pris l'identité? Vous m'étonnez, ouais. Surtout, hein. Surtout avec c'est tous les véhicules que vous devez transporter là. C'est ça. C'est pas étonnant, hein. Bonjour. Mademoiselle James. Oui, excusez-moi, pardon. Je me suis halluciné là. Et me dire vous. Une belle journée, chef. Hein. Vous venez de me dire vous. Si, fille, c'est une belle journée. Une belle journée là. Fille, Marcel. Allez, on bouge! Mais c'est. Tu me fais des roues en carton, c'est de la merde. Au moins, si tu rates, rate bien. Cartonne, ça cartonne. La danse à la cartonne. Ok, je vais compter si j'ai bien tout le temps. Ça va, on va les compter. Faire un... les gars, vous êtes là ou pas? La nuit. Allo. Attends, le vide en dessus là peut-être. Il y a un traceur GPS là-dessus ou pas? Non, tes lèvres elles bougent pas. Vas-y, vas-y. Mets-moi un putain de traceur là-dessus sur cette bagnole. Antoine, tu l'entends Bibi? Non. C'est après, c'est toi qui... Mettez-moi un putain de traceur GPS sur cette bagnole. C'est fait, les gars, c'est fait. Ok. C'est bon, ce que je t'ai dit, j'ai mis une petite pastille. Bon, alors, allez, on dégage. Allez, on dégage. Je vais surveiller la Rolls, s'il te plaît. Bon, c'est cool. Ouais. Allez, on se casse. Surveiller la Rolls, s'il te plaît. Ouais, ça marche, mais normalement, c'est pas mon nom. J'ai l'impression qu'il y a. Ouais, c'est vrai. Il sent un peu la Rolls. Pour info, j'ai mis un GPS sur la voiture de Cordias. Bon, alors moi j'ai chopé une discussion. Il y a l'autre là, le John Dempapé là, qui aura une entreprise de savon et qui veut livrer du savon de très bonne qualité à Bernie en échange de tarifs ou de je sais pas quoi, de voitures. Ça pue la magouille cette entreprise de savon. Et si tu veux. Donc j'ai enregistré toute la conversation, j'étais dans la cage d'escalier, donc j'ai tout entendu. Hein. Rien, fille. De Bibi, du coup, il a rangé sa Rolls, hein. Du coup, j'ai plus de traceurs dessus. Ouais. J'espère qu'il va pas la ressortir. Oh,
en attendant, c'est pas grave. Entreprise de savon John Dempapé. Qui propose au patron de l'ALC de donner en échange de bons procédés un camion de savon. Parce que le Bernie, apparemment, il aurait un vaste réseau. Pour écouler tout ça. Donc je pense qu'on parle de drogue. Savon égale drogue. À voir. Je sais pas si vous l'avez dit, mais ils utilisent, puisque j'en ai parlé avec eux l'autre jour, ils utilisent la production de soude caustique ainsi que le phosphore pour faire leur savon. Comme bien reçu. Faut voir où est basée l'entreprise. Il faut essayer de travailler pour eux pour voir ce que, comment ça se passe. Alors d'après les infos aussi, elle serait à côté de la BP. Ok. En tout cas, une fois qu'on les aura chopés, il faudra leur passer un savon. T'es vraiment trop con, toi. Ah, fi. Mais c'est qui? C'est Yonki. Putain, t'es viré. Ah, avec grand plaisir. C'est qui, Yonki? Salut. C'est qui, Yonki? Qui? Yuen. Hein? C'est Yonki, c'est Samuel. Ah bah oui, merde, c'est con. Ouais, ça va sûr. T'es mon district, mec. Bon, où est-ce qu'on va? Bon, je sais pas, il se passe quoi, là? Bon, allez, on va à la bijouterie, là, on va renforcer les gars. Je voulais clipper ça. Ah, c'est peut-être long comme clip. On a vraiment cassé sur ça. Alors là on casse pas sans rocher, là on casse sans fossé. Bon, au moins on a cassé. Bah, au moins on a cassé, non? Ouais, enfin, voilà. Alors déjà, qu'est-ce que vous foutez en off-road, les gars? On a des Fiat 500. Hein. Et puis on a un bus. Nous, bah, en plus, Fiat 500, nous, déjà, meilleure vie. Déjà, il va à 160 en route, alors en off-road, on va à 10. J'irai plus vite en arrière, là. Par ça, Dédé, c'est toi qui devrais être à l'arrière de la limousine, là. Ils ont fait vraiment très garde du corps. C'est de Viper Lead pour Cobra Lead. Un mafia. On se mettait. Ça, c'est sur l'ombre. Allez, coupe de Cobra Lead. Mettez-vous nickel sur votre barrage, il y a le ministre qui vient faire une inspection. C'est reçu, on vous remercie. Les points d'XP. Et c'est pareil. Vas-y, c'est parti par un. Surtout si tu regardes. Oh ouais, on repasse à la LC les gars, passez pas dans le dispositif, putain on est civil, merde. Oh là là. C'est bien pris. Et on repasse à la LC, je vais voir s'ils sont barrés, je vais parler avec le patron. Pour info, la voiture de Cordia, ça n'a pas bougé. Ah, donc c'est encore du monde. Un AVC. Peut-être. Totalement. Vous avez regardé s'il disait que Paris c'était les meilleurs, qu'il avait la bouffe qui pend, etc. Non. C'est les Allez, premiers symptômes arrêtez-vous. De la...
Faites le tour, faites le tour, faites le tour. Faites le tour. On se casse, alors on se casse. Et encore là, le Libanais ou je sais pas quoi là. Il s'agrandit avec son turban. Ouais, avec son turban là. Je le vois pas. Bah si, il est derrière au garage. Ah. Ouais, on bouge, route principale. Bon appétit. Pas mal quand même avec les Fiat 500, hein. C'est plutôt pas mal, ouais. Ça change. Bah, c'est pas fait pour le froid. Ouais. Pas mal de chouris. On va aller à néo-chouris, les gars. Bien pris. C'est un mox, non? Non, non, c'est un... Ouais, c'est un mox. Ouais, il se passe rien, là. Il se passe rien, Bia. Bah allez, oh, Bia. Tu vas aller au chouri et... Et direction route principale BA. On va aller sur le point de contrôle.
Mais checker nos chariots, on se barre direct BA. Hein? Checker nos chariots, on se barre direct BA. Non, direction BA, directement. Il n'y a rien là, c'est mort. Je vais monter par un. Vous voulez monter à l'arrière, il y a les tablettes. Tout ce qu'il faut. Il y a à manger, il y a la coupe de champagne. À l'arrière, c'est le grand luxe. Hein. À l'arrière, c'est vraiment un truc de ouf. Ah ouais, putain, là-bas. Il joue à moi en plus. C'est trop stylé. Ouais, vers moi. Il n'y a pas de pute là ? Allô ? Enfin, il y a moi, mais bon. Oh non, toi, tu suces mal, toi. Oh, je suce bien, chef. C'est vrai ? Mais je conduis, ça va être dur. Ah bah, change de volant. Ah ouais. Ah ouais, grave, putain. Ah putain, merde. Que la baisse, ça qui c'est qui a tiré là ? Personne. Pourquoi je suis en prone ? Ah non, personne a tiré. Bon, il faut qu'on vérifie si l'autre hindou il est encore à la LC là. Ah. Plus la magouille. Il en dit quoi ton radar Toujours à la LC. Toujours à la LC, il a pas bougé. Bon bah. Mais c'est Cordias. Ah, mais c'est Cordias, oui. Mais c'est pas lui l'hindou ? On a tous, c'est John. John. Joe. B. Papier ou je sais pas quoi. Tiens, y a, si tu veux, il y a une équipe qui passe devant si tu veux les pas venir. Au cas où. Nous, c'est John M. John M. Papier ou je sais pas quoi. Pourquoi j'ai pas pris, j'ai pris la photo. Et là, y a tout. Y a... Je sais pas ce qui se passe. Ah oui, il y a le convoi. Putain. J'ai pris la photo, on s'en fout. T'as rejeté qu'un coup. Bon allez, on va aller farmer. Ah chien. Pas de la BP. La BP. Il y a une voiture qu'on a tracée, enfin une voiture que j'ai tracée qui se trouve au garage au niveau du terminal. Comme autre cœur. C'est plus c'est pas le mec avec son turban, c'est l'autre juste. On y va. Sûrement au casino. On est le 4 là par contre, c'est Marshall ça ou gauche près de Tira, au-dessus de Gravier. Il y a un L4 à gauche, je sais pas si c'est Marshall. C'est Marshall. Non, elle est où ta voiture hein? Toujours barrage hein, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bonjour messieurs. Toi foutre le bordel ici. Pas toi pas. Non non pas barrage, moi pas rentrer barrage, moi peur. Avance un petit peu messieurs. Non moi peur. Voilà, moi toujours peur. Arrêtez-vous là. Bonjour messieurs, bah, Jim me présente, Gorbatchev, Yuri. Faites un peu tous avancer qu'il fasse pas demi-tour. Bonjour. Bonjour. Enfin, bah du coup, on a un barrage, mais... Barrage, joli barrage. 160 km/h, monsieur, vous vous rendez compte? Bah ça va, j'aurais pu faire mieux. Ouais, mais c'est limite à 130, monsieur, vous rendez compte? Vous trouvez ça normal? Lui, pourquoi lui armé? Pourquoi lui armé? Nous partir vite. Lui armé? Monsieur. Ça bah, véhicules, ouais, non, mais aucune réaction des autres. Pardon. Carte d'identité, s'il vous plaît. Demandez votre carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Moi, soigne-toi d'abord, attends. Parfait, je peux te passer
102 km/h. Non, ça va pas changer grand chose. C'est possible, il va même pas à 160. C'est parfait, tout est. Attendez. Bonjour, toi beau gosse, toi. Bonjour. Toi, repencher plus en arrière. Ah là, pas bouger, hein. 130 ici. Ah ouais. Ah, pardon, et votre collègue. Km/h, oh. D'accord, bonjour monsieur. Oui, il y a pas de soucis. Ouais. C'est ça. Qui est encore dans le. Bon, dans, du coup, je vais prendre les papiers du véhicule, d'accord. Prenez les papiers du véhicule, je vais vérifier quelque chose moi sur l'attente du véhicule, voir si vous pouvez rechercher. Bah, je suis recherché. On va avoir entreprise de savon. Recherché monsieur. Ouais. Ouais, recherché par ma femme. Recherché par ma femme. Parce que moi, l'avoir largué il y a pas longtemps. Elle vous doit encore une grosse quéquette à moi, mais moi pas vous voir elle. Ah, bien alors monsieur Joe la pute et Hans. Comment ça Joe la pute? Pourquoi tu m'appelles la pute toi? Non. T'as du mal lire. T'as du mal lire. Moi monsieur, je voudrais déposer plainte pour insulte. Il est où le ministre? Par ministre ici? Le ministre il est pas présent pour le moment. Bon. Messieurs, bon. Oui. Vis-à-vis de, bah, de tout ça, votre excès de vitesse, je vais vous verbaliser, d'accord? D'accord. Attends, bah moi c'est deux secondes, hein, c'est dans mon. Toi, perdre équipement à toi, toi, sac à dos troué. Il y a deux minutes donc. Pardon? Toi, sac à dos troué. Pardon? Bah, on est pas aidé. Tout ça. Bah, c'est toi, équipement, avoir un trou dans sac à dos. Toi, et revenir me parler quand toi, sac à dos ouvert. Non, je vais rester ici. Barré, il me fouille mon sac à dos là monsieur. Toi avoir trou, regarde. Toi venir chez Igor, Igor va recoudre ton sac. D'accord, vous faisiez pas normalement du savon? Ah si, aussi savon. Pour faire glisser, meilleure sensation, plus doux, plus naturel, super bon. D'accord, bon bah, avec cette vitesse de 30 km/h, je vais vous verbaliser, d'accord? Ok. C'est une fois un gros peu. Par contre votre collègue. Non, moi garer voiture, non. Bon, c'était qui le pilote? C'est lui conducteur. Sierra, Cobra, Lead. Lui et lui. Allez, quoi? Balisé. Ouais, mais lui mettre total, lui beaucoup argent. Elle est en direction de Gravia. C'est reçu, c'est la Celica, c'est ça? Affirmatif. Tenez, je vais signer. En plus, ici. Elle part en direction de. Direction 2, Telos plutôt. Elle part en direction. Bah, ils sont aussi mes collègues. Hein. Et n'oublie pas de passer voir Vladimir pour un coup de sac à dos. Ok. Problème. Eh, excusez-moi, monsieur le policier. Excusez-moi. Est-ce que l'inspecteur Lecoq travaille toujours ici à la BA? Ah, bah excusez-moi, je me suis trompé de poulailler. Ah non, se casse. Il a pas compris. T'as pas compris non plus? Ah si, j'ai compris. Ah, bravo. Mais vraiment, foutu la monde, quoi. Ah. T'as foutu la monde. PDR fait la sortie de leur barrage. Comble ça. Qui casse les voitures? Police placée Hers. Toi avoir mis Hers sur voiture à moi? Tu sais combien coûtait une voiture comme ça? Je vous jure, c'est lui. Mais non. Sa voiture coûtait très cher, ça. Regarde, Plymouth Motel. Peut-être, mais je vais pas mettre une Hers. Et puis, cassé. Même dans le cas échéant, ça détruit les roues, pas le moteur. Eh ben, et non, moi déjà. Mais moi déjà, t'avoir dit, toi avoir trou dans le sac, fais attention. Ah, voilà. Enfin, bien installé pour. Je sais, moi beaucoup. Ça, c'est une vidéo pas bonne pour toi. Pourquoi? Je vois de l'écran géant derrière l'ordi. Derrière le van, je veux dire. Merci pour l'argent. Salaud. Quel argent? Il m'a payé, une amende, tu crois ça? Comme il s'énerve, t'es clair.
C'est énorme. Dédé le troll. Bonjour, bienvenue sur Troll TV. Ouais, c'est du troll gentil, ça. Salut Mortaxi, comment ça va? Ça fait longtemps que t'es là? T'as dit bonjour? Je t'ai pas vu. J'adore ton accent. Oui, moi aussi, beaucoup aimé accent. Ah, mais je suis pas le choix. Hein. Parce que tout le monde connaît ma voix à force de gueuler avec eux sur TS. C'est ça le problème. Bien, et toi? Ouais, tranquille. Tranquille, Emile. Tranquillou, tranquillou. Allez, on va... Faut qu'on chope cette putain d'entreprise. Faut qu'on chope cette putain d'entreprise de savon où elle est. Je veux savoir où elle est. Je vais te dire où elle est, je vais te mettre un point sur carte. On a fait un cercle rouge, c'est là où il y a des entrepôts à peu près. C'est pas... Putain, mais roule doucement, merde. En fait, ça peut être n'importe lequel à partir de cette route-là. D'accord. Bah, là où il y a du monde, en fait. Là, on va voir des camions. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils étaient situés à côté de la BP, enfin entre la BP et la... Comment ça s'appelle? La LCO. Moi, je suis sûr que c'est la LCO qui travaille enfin, avec c'est eux. C'est pas lui qui m'a dit, mais... Bien, on va aller à la LCO, on va fermer l'entreprise définitivement. Ouais, il est déjà fermé. J'attends la suite, moi. Enlève-moi ta musique de merde. Non. Parce que j'ai un super outil pour faire taire les autoradios. Non. Ah, non, ça s'appelle... Non, Ça s'appelle l'F249. Le lynx. Ouais. Y'en a, ils ont fait une rave party, ils regrettent encore. C'est bon, c'est réparé à Artyom là? C'est beau. Putain. En avant! Aptitude. Ah merde, tu peux mettre de la bouffe dans la voiture s'il te plaît? Allez, cool. Ouais. Si t'en as assez? Oh non, je sais. Sinon tu fais juste T. C'est pas ça. Ah merde! J'ai plus à bouffer. Aïe. Vas-y les gars, pas ici, faut casser. Allez, vous identifiez les entrepôts dans le quartier. On est déjà embarqué en entrepôt à droite. L'info, elle a été donnée, l'info, par rapport à cette entreprise de savon, là? Comme quoi elle existait? Ouais, dans les parages, là? Oui, c'est un des... Je crois que c'est un magistrat qui me l'a dit. Un des mecs qui a des insides de Marshall. D'accord. Sid Anderson. C'est Sid. Et si je me trompe pas, c'est un des propres chercheurs de l'entreprise de savon qui m'a dit qu'ils étaient implantés par là-bas. De Jeff, on a trouvé l'entrepôt du lead de l'entreprise de Cochonou. C'est juste un bruit. Ah. Alors, on reviendra chercher du saucisson plus tard. Le savais-tu, ce mec a un casier judiciaire, etc. etc. De Justin qui? Justin Bridou, il a un casier. D'accord. Bon allez, bon, s'il y a rien, on se casse. On verra ça plus tard. Gauche, il y avait un entrepôt sur la route tout à l'heure qu'on est passé, mais on a pas de check du coup. Ouais, faut checker. Ou là où il y a du monde, je sais pas. Parce que vu la discussion que j'ai chopé à l'ALC... On a checké celui-là. Empire Go, si on a pas, mais moi. Bon, allez, bah on retourne direction la BA. Hein. Je discuterai plus longuement avec Monsieur Noël. Je vais lui faire comprendre que je vais lui faire fermer son entreprise. C'est bien. On a repéré pas mal de cochonneries dans l'entrepôt juste après nous. Ah, c'est-à-dire? Ah, des saucissons, ce genre de choses.
grosse cochonne quoi. Ah ça pue le putain de... Ouais ça pue carrément. Je sais pas, y'a un truc qui m'a bipé, y'a un truc qui m'a foutu. Hashtag DD. C'est DD la censure. Arrêtez de casser les gars, sérieux. On n'a pas cassé, on checkait un VL. Ouais, c'est ça. Arrêtez de casser, là. Quand je dis vous avez cassé. Bah, y'a deux entrepôts là. Ah, on va faire le deuxième. Kyle Campbell. Kyle Campbell. C'est encore là, lui. Bonne nuit, Wo. Merci d'avoir été présent. Bonne nuit, Bobs. Barbitos Coffee. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. Je vais regarder s'il a des casiers judiciaires. Ah. Barbitos Coffee. Ouais, un film. Mais c'est un policier les gars, c'est un ancien policier. Juste. Connu comme Légion qui existait. Bon, là, on a trouvé un entrepôt du d'un mec de l'AE. Ah. Valentin Roy. Oh, Valentin Roy. Le comptable qui s'est fait agresser. Au champ de cannabis qui est à côté. Quoi ça? Bonjour monsieur, j'ai vu. Au champ de cannabis, un monsieur. Bien sûr, vous voulez des coordonnées? Monsieur, j'ai vu un monsieur au champ de cannabis à un gros camion qui s'est moqué de moi en me disant qu'il faisait des pêches. Oui, répondez au 17. Bon, allez, on se dirige vers les Hauts-Chauvets, les gars. Ah, j'ai appris. Crash encore. Pas d'explosion. Putain, j'ai pas eu de crash encore. Scott pour Syrah. Des gilets pare-balles, etc. de rebelles qui pourraient peut-être vous intéresser à la BA, vous voulez que je les laisse? Ou on peut les mettre à poubelle? Dans la caisse. Dans la caisse. Bon, on fait les nénus qui ramassent du shit et en go fast. En go fast, allez. Allez, on est des dealers de drogue, on fait du go fast en Fiat 500. Je vous rassure, il y a tout sauf fast dans notre van.
Allez, bonne nuit Teko, merci d'avoir été là, présent comme tous les soirs. Merci beaucoup. On s'équipe ou on se fait passer non, pour des civils ? Non, civils, on est civils débiles, vous faites du go fast. Okay. Bonne nuit Teko, merci d'avoir été présent, de ta fidélité, merci pour tout. Vas-y, va là-bas. Bon allez, on va remplir ou quoi? On n'a pas que ça à faire, un business is business. Mais il va où ce camion là? Ouais, il est là le Je sais pas. Piper lead de Sierra Lead. Trans-le-t. Est-ce qu'on peut se rapprocher de votre position néo-chori pour fouiller ce qui nous a fait par message ou vous voulez qu'on évite la zone? Sous les arbres. Affirmatif, vous pouvez. Bien pris, merci. Putain les gars, j'ai trouvé du cannabis sous les... Il arrive. Allez les gars, on remplit voiture, on fait voiture, vite, remplir. Beaucoup remplir. Vite. Hop, remplir camion. On remplit voiture, traité rapide et vite partir. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous aurez un petit peu de bétadine ou quelque chose? Parce que je me suis fait mal à accident là-bas. Ah bah, bétadine? Où ça? Ah, je me suis fait mal au genou tout à l'heure. Ah oui, bah couchez-vous monsieur. Tu veux quelque chose pour toi? Va coucher toi. Prends ça, toi puis sentir la douleur après. Oula. Prends ça. Ah non, c'est Hop. Nickel, toi soigné. Merci. Toi soigné, ça bon. Toi guéri. Bon, toi aussi faire cannabis comme nous? Non, attendez, mais je vais vous rendre ça. Je pense que vous en aurez plus besoin, quoi. De quoi? C'est ce que vos collègues m'ont donné. C'est quoi? Je sais pas qui je donne ça, mais je donne ça un peu à tout le monde. Ouais, on va donner ça. De toute façon, mon camion il est déjà plein, donc je sais pas. Ok, ça marche, d'accord. Merci les gars, c'est gentil. Nous ramasser. Attends, rends-moi mon truc. Oh putain, en pied. Toi pas partir en fait. Toi camion m'appartenir maintenant. Ah. Voilà. D'accord. Allez fiston, c'est la police. Les mains sur la tête. Ah oui. On t'a bien eu hein. Ah bah ça, c'est... C'est quoi ton petit nom, toi? Enzo. Enzo comment? Enzo Mèche. Mais je vais te couper la mèche. Ah. Bon! Donc comme tu me l'as dit, ton camion est rempli de cannabis. Ah bah non, pas de cannabis, non, moi je fais des pêches. Ah bon? Alors pourquoi tu m'as donné du cannabis? C'était pas moi le cannabis, c'est vos collègues qui m'ont passé. Tu m'as dit, tiens, je te donne ça, tes collègues m'ont donné ça, parce que mon camion est déjà plein. Ah bah oui, pas besoin d'autre chose que ce qu'il y a. Ok, on a tout ce qu'il faut, les gars. Ah, t'as vendu la mèche, c'est pas grave. Je veux passer une place, je voulais regarder ce qu'il y a dedans, mais c'est pas... Je rentre sur moi, je rentre sur les... Ah, juste pour dire qu'elle était vraiment bien, celle-là. Elle était pas mal, celle-là. Attendez, de 64. Moi, j'ai quitté. Enlève tes mains de tête. Voilà, merci. Moi, garde la main sur la tête, moi j'aime bien. C'est un peu des essais, mais c'est pas grave. Ça vous fait un peu peur, même si vous êtes de la police. Bon! Là quoi? Qui c'est qui t'a donné du cannabis? Je sais pas du tout, c'était votre pote tout à l'heure, mais. Quel pote? Que de la pêche là-dedans? Ah, bah, je sais pas du tout comment il s'appelle. Bah, du coup, Il était en camion ici? Non, une des voitures là qu'il a avec vous qui sont arrivés en même temps. C'est toi qui as envoyé un message à la police? Ah non. D'accord. Pourquoi tu me donnes du cannabis alors? Et je vous ai rendu ce que vos collègues m'ont passé. C'est quel collègue? Peut-être c'est pas vos collègues, j'en sais rien, mais les messieurs qui sont ici présents. Putain, ça marche plus, et la couverture de la police ça marche plus en fait, les gars. Bon, je peux enlever ta tête. Enlever ta tête. Je voulais chercher le camion de cannabis en fait. Mais je leur lève la tête. Non, les gars, non. Pas ici, les gars. T'es rebelle, t'es bandit, toi, t'es quoi?
Ouais, je suis rien, donc je suis pas. Je peux aller écoute. On peut venir ou on va vous griller si on vient. Ça me fait un peu peur l'émission. Ouais, bah je sais, c'est un peu dangereux. On s'est déjà annoncé comme étant clic, mais ouais, bon. Vous pouvez passer à côté. Ils sont partis vers où? C'est le camion qui a été signalé par le civil, c'est ça? Hein? C'est ça. Bah, elle est copain, un copain. Y'a rien dedans, y'a rien dedans. Les copains de qui? Ok, bien pris. Bon, vérifie s'il y a encore du cannabis, s'il te plaît. Mets les mains sur la tête encore. Allez, je... Il a rien. Ah, pour quel, toi, pourquoi avoir cannabis sur toi alors? Bah non, j'ai pas de cannabis sur moi. Tu l'as ramassé, c'est ça? Bah non. C'est vos potes qui ont ramassé qui m'ont donné. Et il est moi, parti? Je suis là pour vous demander si vous avez de la pommade, c'est tout. C'est pas... Ah ouais. Bon allez, nous chercher copain nous. Allez, si vous voulez, je peux vous dire d'autres choses. Toi, pas. Ouais, vas-y, dis. Toi, un petit peu plus. Ah, vas-y, ah. Dis. Il a ici pas de problème, copain à moi ici. Copain. Pas appeler police parce que sinon moi, copain à moi, couper sabre. Je passe mon téléphone si vous voulez. Non, pas de problème. Toi, vous quoi? Ils me font un peu peur, mais bon, je vais quand même parler. C'est, du coup, j'avais un frère à moi qui était dans la secte. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais bon. Je sais qu'il est rentré une fois en poste de commissariat de police et puis qu'il est jamais ressorti. Ah. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Aller chercher ton collègue. Et tu veux qu'on fasse quoi? Ah bah là, bah du coup, moi ce qui s'est passé, c'est que bah, depuis, c'est un peu embêtant, comment dire. Parce que bon, vous m'avez dit que vous étiez de la police, donc je vous fais confiance. Hein. Non, on n'est pas police, nous. Ah, et vous m'avez dit que c'était de la police. Bah nous dire ça pour rigoler. Ah, c'était une blague. Bah oui, nous pas police, nous rebelles, nous bandits plutôt. Tu dois préférer comprendre. D'accord. Et moi vouloir récupérer camion, cannabis ici, car camion sont montés les toits. Ouais, oui, tout va bien. Bah, ouais. Si vous êtes pas de la police, je sais pas si je peux vous dire ce que je comptais vous dire. Ah bah maintenant toi trop parler, maintenant toi dire, sinon moi quick. Calmez. Et ouais. C'est pas gentil. Bah, vas-y, pour ça. Allez. Avant que police arrive. Sinon moi dire à police que toi fais de drogue. De toute façon j'avais que des kits de réparation dans mon sac. Mais je m'en fous. C'est mon collègue qui m'a dit de vider mon sac. Ah bon mais... Non mais toi. Non. Je viens de comprendre. Toi drôle, moi j'ai beaucoup aimé humour à toi. Merci bien. Bon, nous partir, nous toi pêche, moi pas ouais. Intéressant. J'espère moi je vais nous partir. Au moins au poste alors pour m'accueillir. Bah j'espère. C'est vraiment de la police, sinon tant pis. Tant pis. Allez, allons chercher plaquage argent à la banque. Nous allons plaquer entreprise maintenant bijoutier. Venez. Bon, à tous, bah c'est la merde, y a pas de common drogue. À tous de Sierra. Viper de Sierra. Okay. Y a pas de camion de drogue ici, hein. Y a un camion de pêche, mais pas de drogue. Hein. Ceci ne peut pas être utilisé. Oh merde, je peux pas fumer un bédo. Je peux pas fumer un bédo. Putain, je pensais que je pouvais fumer un bédo. Ça aurait été trop cool. C'est cher. Merci Teko, c'est super plaisir. Ça fait plaisir ce que tu viens de dire. On dirait que des pêches. Ouais putain, que des pêches le mec. Vous avez niqué là. C'est le jeu. C'est clair. Il est pas mal, j'aime bien. C'est moi ou t'as dit plaquage? Ah non, c'est toi. J'ai pas dit plaquage. Pourquoi? J'ai pas dit ça, moi. J'ai dit braquage. Ah, en partant? Non, j'ai pas dit plaquage, j'ai dit nous partir plaquer entreprise. Encore turban là-bas ou pas? Il y a encore le turban à l'ALC là?
mec il y a tout à l'heure au turbo, mais il y a Cordius. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, il est toujours là. Putain, c'est chiant ça. Qu'est-ce qu'il fait là le Cordius? Il bouffe vraiment à tous les ateliers celui-là. Avec le turban, il était contrôlé tout à l'heure au barrage. Voiture blanche. Allez, derrière son BA. Tiens, repère de gang d'abord. Repère, oh, il est déjà derrière. Il est derrière, ouais. C'est PA de... putain. Allez, écoute de CPA. Vous êtes occupé là ou pas? Non mais je te préviens, y'a pas grand moyen là, CPA, c'est un Hummingbird. Ah! Bah il me faudrait un survol pour te retrouver un camion rempli de drogue. C'est reçu quelle direction là tu vois? Route principale à Tirance. Ouais reçu, je suis parti au nord. C'est bon. RS a tiré pour le camion. Bien reçu, bon je sais pas. Ah négatif, il y a un camion qui rentre dans Atira depuis Vrille avec deux VL à côté et un VL qui part. Ah bah c'est ça. Renfort de Viper ou pas? Ah, fi. Ok, on finit l'escorte et on arrive. Ils sont au garage, le camion va rentrer là. Oh, il est trop lent, on peut pas. On n'arrivera pas, toi. Il est où? On tira au garage. T'as le conducteur du camion qui monte dans un VL. Du coup, pour tous les Vipers, on va à Tira, on va essayer de procéder au contrôle des véhicules là qui sont actuellement surveillés par le général. Un véhicule au garage, un en direction. Il reprend route principale. Il y a des camions avec de la drogue qui vont arriver, les gars. Ok, bien, mais on va se mettre en travers, on va procéder au contrôle. Le deuxième véhicule a été rangé, ils ont pris un véhicule chaud de leur vie en tout cas. Non, non, c'est pas nous. Ils arrivent sur nous là? La fille, ouais. Fais gaffe toi. Il y a 3 VL. Enfin, deux ah, pardon. Possible. C'est bien pris. La verbe, il y en a un seul qui arrive. Ah bah non, là. Bah non, ils ont pas payé. Lol. Merci de la SML63. Quelle couleur? Tu vas où là? Sur mon nord. Toi? Non, cool. Non. Mais t'as un véhicule là qui est en train de se faire suivre, ouais, garçon. Ah, tiens. T'écoutes là? Vous êtes Canal 1 en fait, les gars là? Ou quoi? Mais putain, hé les gars, il se passe des choses sur Canal 1, on se réveille là. Le taxi qui est au garage et un véhicule noir qui est à côté, je sais pas ce qu'il fait lui, il tourne depuis tout à l'heure. Autorisation de procéder une fouille ou pas, en général? Dédé? Bah c'est hasardeux les gars, essayez de déjà discuter, on sait juste qu'il y avait du cannabis et que c'est parti vers Atira. Voilà, mais après on n'en sait pas plus. C'est bien pris. Donc je
de Charlie, je procède au contrôle du véhicule noir. Les autres, vous mettez en position, vous mettez autour, vous essayez de voir si les véhicules viennent pas sur nous. Terminé. C'est quoi le véhicule? C'est un taxi. Ouais, il va se faire tirer à nous. De Sierra, on va dans un tir. Il y a le véhicule couleur vive là qui est parti dans les champs à l'ouest d'Atira, direction Ifestiona. Et le véhicule noir un peu bizarre qui faisait aller-retour entre Atira freiné, il est encore au garage. Ensuite. Il parle avec un mec là sur l'ordre. Ok, ensuite on arrive au garage. Non, là, il est toujours pas payé. Il a déposé plainte pour agression. Ok, c'est armé. Ok, Mercedes, c'est sniper avec Guilly. Allez les gars, on interprète ça. Je pars avec Echo sur le véhicule. A tous les Vipers, Mercedes noir direction à Guilly et arme à l'intérieur. On interpelle de Sierra. Allez, okay, allez, bien pris de intercepter les Viper Lead, je vais procéder à la fouille du mien. Véhicule trop rapide pour nous les gars, trop rapide pour nous, ça part au nord d'Atira. Alpha on arrive. Et quoi, vous l'avez encore le taxi là, c'est bon? Oui, c'est bon dessus. Il reste. Ok, ça part est. Ça part off-road. J'ai un 63 est nord, c'est bien ça? Off-road. Ouais, c'est ça, ouais. Merci Vélix de ton follow, merci et bienvenue. Aussi nous rejoindre sur Discord, et sur YouTube pour voir les lives et Discord pour les jeux en intra communautaire. Merci à toi et bien. Ok, ça reprend Atira. Putain, le patine trop. Donc là les gars, il n'y a pas de rigolade, j'ai vu tenue Guilly complète hein. Oh, allez, sors, les mains sur la tête tout de suite là. Écoute, je crois. Bah, il se passe quoi? T'as vu comme t'es habillé toi? Bah, je suis habillé normal, non? Ouais, bien sûr. Et y a un problème? Bah, oui. Un chasseur, monsieur. Ouais, t'es chasseur. Ouais. Okay. Je suis vraiment un chasseur, monsieur. Ouais, bien sûr. Bougez pas de là, monsieur. Et moi, je suis une marmotte qui replie le papier sur le chocolat. Moi, c'est pour ça que je suis habillé en noir. Dans la forêt d'Atira, ah, bah, moi, je suis un pingouin et je m'assois. Et quand je m'assois trop longtemps, j'étouffe. Ah bon? Ouais. On a intercepté la Mercedes des départs. Ok, il y a un gilet pare-balles dans la voiture, vous interpellez. Ah bon, ok, donc pour tous les Vipers, vous mettez en position, vous protégez Sierra. Restez pas en paquet de merde. Vous en occupez, on s'en occupe, Sierra. Allez-y, occupez-vous-en, Viper. Allez, bougez plus. Alpha, on prend le véhicule. Donc, individu interpellé, hein. Meloté. Détention d'équipement illégal dans la voiture. Bien pris du Viper Lead. De Sierra, vous repassez en tenue civile. Ah, lui, il est con. Tu l'as mis dans sa bagnole ou quoi, le gilet? Hein? Tu l'as mis dans sa bagnole, le gilet? J'aurais mis dans sa bagnole, moi. Tu parles comme ça, moi. Hein? Le mec avait l'air surprise pour ça. Bah ouais, je l'ai pas rebelle, hein, bagnole. Yo, tu es rebelle? Ah, tu es flic? Non, je suis flic. Ouais, je suis flic, Vélix. C'est bien pris, vous avez un pack ça, Alpha? Ah, affirmatif. On a une personne avec un Desert Eagle et de l'équipement illégal. Bien pris, bah vous traitez à la BA. Bonjour les gars. De Sierra, on s'écarte, on est disponible canal 6. Allez, on se casse, Sierra. Allez, direction route principale, je sais pas ce qu'on fait. On va s'occuper pendant même nuit. Non, on va repasser à la LC, je vais absolument parler au patron.
faut faire combien d'heures par semaine en tant que flic? Minimum 20 heures. Soit 5 jours à 4 heures. C'est pas mal les calculs. Ça a eu un peu 5 fois 4 heures. Trop fort, hein? Ouais, faut toujours le véhicule de comédien sur zone, du coup, je pense qu'ils ont pas bougé. Ok. C'est une grande liasse pour le ministre, vu qu'il est recherché. Envoyez un message au ministre. Ouais, mais un message au ministre. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Vous allez bien, monsieur, ou bien? Ça va, et vous? Ouais, ça tombe bien. Vous êtes le patron? Tout à fait, monsieur. Ah, bah, décale. Moi, vouloir parler avec vous, ça tombe bien. Bien sûr, c'est pourquoi, monsieur? Mais moi, discuter avec toi dans ton boulot, maintenant. Bah, ouais, bien sûr. Allez, venez avec moi, monsieur. Merci. Sécurisez les bureaux. Je veux personne aux alentours. Mais vous inquiétez pas. C'est l'ALC. Il n'y a pas de danger, monsieur. Ouais. Pas de problème. Bon, toi, patron, alors? Tout à fait, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, super. On va avoir petit problème avec vous, patron. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Toi, tenir à ton entreprise? Bien sûr, monsieur. Toi, te mettre en voix faible, maintenant. Dites-moi tout, monsieur. Écoute-moi bien, fiston. Toi, tu sais pas qui je suis, moi, je sais qui tu es. Je sais que tu traites avec des magouilles. On vient t'acheter une série, un petit lot de bagnole et on te propose du savon et que tu peux effacer et liquider avec tes connaissances. J'ai toute la communication qui est enregistrée dans ce putain de bureau. Tu vois ce que je veux dire maintenant ou pas? Comment ça? Bah le savon c'est légal, monsieur. Ouais. Seulement le savon pour moi c'est pas du savon. Donc tu vas pas me la faire à l'envers, Noël. Si tu veux garder ton entreprise, t'as intérêt de bosser avec nous. Et pour présenter qui exactement, monsieur? Merde. Ça tu le sauras plus tard. Noël, si tu bosses pas avec nous, je te fais fermer ton entreprise et je te vide ton compte. T'as compris? Y'a quoi là? T'as compris ou pas? Bah pour l'instant, le savon, on a juste parlé, monsieur. Hein, j'ai rien saisi. Ouais. Bon, je te le dis, voilà. J'ai toute la communication enregistrée sur un magnétophone. D'accord? Avec monsieur le turban dans ton bureau. Réponse du ministre concernant Cordias. Il va revenir plusieurs fois et que vous allez discuter ensemble, mon petit Noël. D'accord pour ce savon. Je veux juste te dire. Si tu traites avec ce genre de personnes, je prends ton entreprise, je la ferme et je te vide tes comptes. Vous êtes maintenant, du gouvernement, monsieur? Je repasserai plus tard. À plus tard, Noël. Bah, dites-moi, monsieur. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la place. C'est un petit peu bref, quand même. Ouais. Très bref. Mais quand on veut magouiller, ça suffira. Bon, allez, à plus tard. Allez, on se casse. Ouais, bonne journée, monsieur. Prends ça au sérieux, Noël. Je suis pas en train de rigoler. Évidemment. Merci, monsieur Noël. Merci beaucoup. Tu vois ton excuse pour le savon? Mais c'est du savon, c'est légal. Du coup, t'as dit quoi là? Bon, je vous explique. Allez, on s'en va. De toute façon, la BA. Vous avez été bref, rapide. Je lui ai bien dit que si vous voulez conserver son entreprise, que je lui vide pas son compte,
n'avait pas intérêt de travailler magouillé avec les rebelles et qu'il fallait mieux qu'il travaille avec nous qu'avec eux. Sinon je lui fermais son entreprise, qu'il perdait tout, je lui vidais son compte. Et qu'il m'a demandé si j'ai du gouvernement, je lui dis ça, tu le sauras en temps voulu. Ok. Il est averti. Coucou, salut Matt. Oh, tardif Matt. Parce que vu la conversation que j'ai enregistrée dans la cage d'escalier, le savon, on peut pas le liquider dans le réseau qu'on connaît en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Salut Timber, c'est ce qu'on a avant de prendre une plainte à la ABA. Avoir été présent, merci de votre fidélité, merci à tous, ça fait super plaisir, merci d'avoir fait encore une fois vibrer le chat avec vos jeux, vos discussions, vos commentaires, vos échanges, c'est important dans une communauté. Ouais, ça crache, ouais, ça, en fait c'est le jeu c'est le serveur qui crache, voilà, 23h40 c'est toujours le même bordel, mais bon c'est pas grave. Donc, de toute façon, il y a le reboot du serveur dans 10 minutes, donc ça va me permettre de faire mon boulot de staff, tranquillement, régler 2-3 problèmes, comme d'habitude. Merci à tous, merci aux nouveaux, n'oubliez pas aux nouveaux de venir sur Discord pour nous rejoindre sur les parties de R6, de LoL, de CSGO, Apex, enfin tout, il y a plein de multitudes de jeux. Vous pouvez jouer en communauté sans aucun problème, et vous pouvez aussi revoir le live de ce soir sur YouTube. Vous tapez point d'exclamation YouTube pour connaître la chaîne et vous abonner. Et point d'exclamation Discord pour l'adresse du Discord. Merci à tous. Merci d'être présents. Merci encore à vous. Ça fait super plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ça me donne envie de streamer. Bonne soirée. Bonne nuit. Prenez soin de vous. Sortez couverts. À demain. 20h minuit. Altice Live France. Arma 3. Et dans la journée pour des autres streams. Allez. Bonne nuit les loulous. À demain. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.